C'est dimanche et comme tous les dimanches soirs, c'est le direct live qui démarre avec Dani. Bonsoir, merci d'écouter Créer les femmes en ce dimanche soir en direct de l'hôtel Le Floralis, non, l'Archipel. Ah oui, trompe pâté. Ça démarre fort cette émission. Ah oui, bonsoir tout le monde. Ah, toujours ce micro, les fonds, hein, c'est pas possible. Toujours, ça, hein. Je ne comprends pas. Ah, ou les régleurs. Ou... non, mais pas les régleurs, mais les ça juste. Disons, le travail fait affaire comme ça. Oui, hein. Mais des fois on connaît quand on hausse la voix, ou baisse la voix. On casse la voix. Affaires. Voilà, tout à l'heure, justement, on était poté à ses micros. Et il me dit bon ben voilà. Alors du coup il voit pas la webcam. Tiens. Il voit pas ma belle beauté, comme nous dit tout le temps. Belle beauté. Apparemment l'autre beauté fatale n'est pas là. Hein. Non. Mais nous n'a une autre beauté fatale avec nous. Hein. Ah oui, le café n'est bien sapé. Sapé comme jamais. Ah oui, dans connais N2P a dû 10 de retrouver. Hein. Oui, voilà. Quand même, dans un instant, justement, on va faire découvrir le nouveau titre de Sophie Ligue d'Amis avec nous ce soir. Voilà, le temps, parce que nous l'offre quand même des pizzas de Flamenco, hein. Donc nous saluons quand même toute l'équipe de. On a bien mangé, hein. On a bien mangé, voilà. Donc toute l'équipe de Flamenco. Et voilà quoi. Hein mm-hmm. Bon. Mm-hmm. Et du coup, il fait longtemps qu'on vient. Ben, elle est là, de retour, hein, comme d'habitude. Hein. Moi, m'y vient, m'y ça va, m'y vient. Comme... Oui, bah comme. Mais comme l'argent, moi, m'y vient, m'y ça va. Ah, d'accord, on a point un peu l'argent que moi, là. T'es non, on a point. Moi, m'y n'est pour les auditeurs et les auditrices de Créole FM. Oui, oui. Mais c'est quoi donc 1000 euros à gagner. Pourquoi gagner même? Non, pourquoi gagner? De mon, je ne vais pas. Mais comprends pas, moi, une offre aux autres 1000 euros, il ne veut pas. T'es depuis le temps où off. Ah, depuis la vue, depuis combien de temps mi off, mi euros. Il y a un moment, oui. Ah, mais bah on entend oui. Ça mais non, bon, visiblement. Si vous êtes la prochaine gagnante ou le prochain gagnant de ce soir, voilà, donc entre 21 et 22h, vous êtes pu jouer sur le mot clé, donc cash, C-A-S-H par SMS au 80-90. Ah, cool ça. Ben, ouais. Moi, il y aura des cadeaux à donner tout à l'heure, par SMS, mais aussi en direct, parce que... Tout ce qui est énigme, devinette et expression créole, il revient. Bah oui. Et à soir, c'est spécial expression rayonnaise. Ah. Faut trouver à quoi il signifie l'expression rayonnaise. Bah elle est bon ça. C'est facile en plus. C'est facile. Ah oui, là bon. Nous a donné cadeau nous là. Bon, bah dis pas les cadeaux tout de suite alors. Non, ne dira pas tout de suite. Alors, mais en tout cas, Nena de quoi gagner. Nous saluons quand même David du côté de l'archipel, la mascotte quand même. Oui, hein, notre mascotte a dit nous tout le temps n'oublie Ali, nous y'aime Puli, nous dit Puli, nous dit plus son nom dans la radio. Puli, je t'aime. Ben David, nous connais. Ben merci tout à l'heure pour de petite attention. Et nous faire un petit coucou. Voilà, David. Voilà, hein, pas de jaloux. Voilà. Alors, Nena, Manoa, prod, l'a dit. Salut, Dani, et salut à l'équipe. Voilà. Ah, salut. Sur le Facebook Live de l'émission. Ah, coucou à lui. Voilà. C'est bon, on me voit là, maintenant, oui, sur on... Facebook. C'est ouais. Pour ça, d'ailleurs, comment ça va de réaction, hein. De toute façon, c'est simple, clair et net, hein. Ouais, les paquets. Non, mais... Il est en bête à ou à chaque fois on connaît bien, oui, il aime bien en bête à ou. Bah oui, ah trop, là même. Là là. Nous y aime trop. Alors du coup, ce soir, donc le programme, le menu, la carte de ce soir. Ah oh, ben les divers et variés, comme ils disent. Ah bon? Comme ils disent, ouais. D'accord. Bon ben ce soir, on a la rubrique Tropical Girl avec les énigmes et tout. Et dans un instant, juste après la rubrique, on a l'interview de Sophie Ligue-d'Amis. Hein. Donc, où ça tout c'est? Non, jamais. On sait jamais. Ah, ou ça mouché. Il n'y a pas besoin de dire ça comme ça en direct. Il n'y a même voilà. Plus d'intimité avec moi. Bah non, la poêle. Bah, de toute façon, ils voient la webcam. Hein, donc. Mais oh là là, mais les gens qui écoutent à nous à la radio, ils ne voient pas. Oui, mais de mon, ils regardent la webcam, ils voient. Oui, mais voilà. Bah, pas besoin de dire toute la population. Oui, ils m'occupent. Ah, oui. Bah, mais oui, ils me vraiment dévoilent toutes choses de ma vie. Oui. Hein, alors, je me travaille écoulé comme ça. Hein. Oui. Alors, vous connaissez, mais ma vie trouve une sosie de Johanna. On passe le big up à Johanna. Ah ouais. Ouais. Nous l'étions à l'hôtel Dynamo Cabine, on avait trouvé une sosie de Johanna. Tu m'as fait la photo? Si, il m'a fait la photo. Et justement, on me doit réinviter elle dans l'émission quand Johanna est là. Et aussi, nous doit inviter Médéris, parce qu'apparemment, je déreçois une fin de soirée. Ouais, ben oui, fin de soirée sosie. Sosie. Ben elle est bon, on n'a pas de problème. On invite Médéris avec notre sosie. Voilà. Donc, on salue quand même toutes les personnes qui sont aussi sosies. Il faudra trouver mon sosie, tiens. Ça allait compliqué hein, parce que mon Dieu, deux comme où ah oui. Déjà haine. Elle est insupportable. Ah oui. Ah bah oui. Parce que si notre figure, mais en même temps de vilaine manière, compliqué. Hein. Ah, mais ça, rien à faire. L'ambiance, les vous même.
quand elle est comme ça. Mmh, ah, oui. Comment c'est que bon jeu de mots là. En plus que ça, c'est mon rêve. Ah là là. Mais bon, ça sera pas uniquement nous deux. Franchement, là, c'est bon, là, on est en forme, là. C'est pas possible. Ah oui, hein. Bah, il faut bien. En ce dimanche soir, mais inquiète pas, faut pas en mauvais qu'il y a ce moment. Oh, n'importe. T'es franchement. Ah là 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 là. Mais tout le temps, l'année, il change, non, pareil même. Mais pareil. Mais je suis en 2020, là, on va arrêter toute bonne blague pourrie, là, Mazao. Non, mais les gens, ils adorent les blagues pourries. Ouais, bon, hein, enfin, bref. Si vous dit. Ben, c'est midi. Oui, c'est midi. Alors, ben, nous balance la pub et on revient avec la rubrique Tropical Girl. Ok, ben, elle est bon. Elle est bon. Allez, à tout de suite sur Créole FM pour ce dimanche soir. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. La pizzeria Flamenzo, ouvert 7 jours sur 7 à partir de 18h. Nous sommes situés sur le parking de la Cacaillerie Georges en centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains, au 93 rue du Général de Gaulle. Pour toutes vos commandes, appelez-nous au 06 93 200 611. 06 93 200 611. Chez Henriette Fleur à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptême, communion, mariage, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87. 50 33 87. Pour mieux affronter le quotidien, des moments de détente s'imposent. Jardin Spa, espace bien-être, 100% dédié aux femmes et aux couples, vous convie à la détente et à la relaxation. Seul, en couple ou entre amis, l'originalité du cadre repose sur son aménagement entièrement dédié à la détente. Un kiosque d'accueil pour faire connaissance, un kiosque détente dédié à la relaxation sur Transat, un bungalow cocooning dédié au massage de bien-être, un bungalow sauna avec son bain de chaleur sèche, ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, uniquement sur rendez-vous au 06 92 69 24 14. Vous avez un style original et unique? Vous êtes plutôt chic ou décalé? Cabette Papillon crée et confectionne des sacs et accessoires pour tous les goûts. Osez être unique! Adoptez un Cabette Papillon. Misez sur une création locale et de qualité. Vous pouvez retrouver Cabette Papillon sur Facebook. Vous allez faire des jalouses. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08. 02 62 92 57 08. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls. Oh là 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 là, c'est pas possible, il m'a spoilé. Mais non, voilà, non, au lieu allume les miennes, au lieu allume les vôtres, m'allume les miennes. C'est ben, va faire quand même coucou les girls. Ou yem ça, comme il dit ça. Ça c'est ma phrase fétiche, la phrase ben, de la rubrique Tropical Girl. Coucou les girls, mi espèce que vous allez en forme. Comme chaque semaine, et moi, elle est en forme comme chaque semaine. Comme midi, moi, elle est fatiguée avant, moi, elle est fatiguée après, mais jamais pendant. Je ne connais pas, mais en tout cas, ces autres, ils donnent à moi cette force-là. Parce que Nana, bon peu, bah, il envoie un message, il répond aux thèmes, il réagit sur la page Facebook, il appelle à nous, il envoie à nous des petits messages. En tout cas, c'est un réel plaisir de voir autant de personnes chaque semaine. Bah, suivez à nous et suivez aussi la rubrique, hein, parce que voilà quoi, Zoti participe aussi ces autres rubriques. Zoti peut donner Zoti idées de thèmes, Zoti idées d'énigmes par exemple, que Mi pourra poser les prochaines fois. En tout cas, nous donne à Zoti des conseils, des infos, des astuces et nous fait gagner des cadeaux. Et oui, nous fait gagner des cadeaux SMS tout d'abord avec Floria Coiffure. Si Zoti veut gagner un forfait relooking coiffure d'une valeur de 100€ ou un forfait 4 shampoings, soins et brushing. Pour cela, il faut envoyer le mot Floria, F-L-O-R-I-A, au 80 90 par SMS. Si Zoti préfère des nuits pour deux personnes avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi, envoyez le mot Tropic, T-R-O-P-I-C, au 80 90 par SMS. Et enfin,
Si tu préfères un massage relaxant aux huiles essentielles ou un escale spa, c'est avec le Jardin Spa. Envoyez le mot spa SPA au 80 90 par SMS. Nous fait gagner des cadeaux par SMS, mais aussi en direct, vous avez pu voir depuis quelques temps. Ben, nous pose à Zot une petite devinette, une petite expression, une petite énigme créole. Et il faut que Zot y devine. Et aujourd'hui, c'est spécial expression rayonnaise. En plus des expressions franchement assez connues. Donc c'est vraiment là pour donner à Zot des cadeaux. Hein. Mieux que ça, mieux peut pas faire. En tout cas, si Zot veut jouer avec nous, donne à Zot d'abord le numéro de téléphone. Zot y enregistre dans un petit coin. Et tout le long de la rubrique, ben, en fonction des gagnants, ben, Mava pose à Zot peut-être une, deux, trois, voire quatre questions. On aura autant de questions que de gagnants. Donc tout d'abord, pour jouer, il faut appeler à nous au 06 93 81 64 73. Et Mava donne à Zot ben, la première expression. Donc c'est une expression en créole. Et il faut que Zot y donne à moi la définition ben, en français. Qu'est-ce que ça veut dire l'expression? Donc nous va commencer avec N. Alors là, très, mais très, très, très connu à La Réunion. Plus facile que ça, n'a point. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans blanc et en noir? Ah, t'es l'ami donne à Zot cadeau là. Dans blanc et en noir, que ça il veut dire. Alors, si Zot n'a la réponse, donc il faut donner à moi soit Zot d'âme en français ou Zot exprime à Zot en créole, que ça il veut dire. Mais dans blanc et en noir, si Zot n'a la réponse, pour gagner un petit cadeau surprise, Zot va connaître une fois que Zot aura répondu. Donc, il faut appeler au 06 93 81 64 73 06 93 81 64 73. Donc si vous avez la réponse, qu'est-ce que ça veut dire dans blanc et en noir? Donc Zot y appelle à moi tout de suite et nous prend Zot à l'antenne et qui sait, peut-être le cadeau l'épouse Zot. Donc en attendant qu'il y a quelqu'un qui appelle à nous, Mava parle à Zot un petit peu d'un fait d'actualité que l'a eu n'a pas longtemps, c'est la fête des voisins. Et oui, la fête des voisins, célébrée il y a à peu près une semaine de cela, le 24 mai, vous étiez nombreux à La Réunion à fêter l'événement avec vos voisins de quartier. Pour la petite histoire, la fête des voisins, également nommée immeuble en fête, est une fête à l'origine française qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale afin de rompre l'isolement qui, selon ses organisateurs, gagne de plus en plus les villes et de tenter de créer un sentiment d'appartenance au quartier. Cette fête est due à l'initiative d'un monsieur Périfian qui en avait lancé l'idée en 1999, donc dans le 17e arrondissement de Paris, avec l'association qu'il avait créée quelques années plus tôt, Paris d'Amis. Donc depuis 1991, à Toulouse, le Carrefour culturel, on organise ce qui s'appelle des repas de quartier, moment de convivialité entre voisins dans la rue. L'initiative toulousaine s'est exportée durant les années 90 dans différents endroits, comme certains quartiers de Marseille, mais même à La Réunion. Hein. Donc de plus en plus de personnes... Bah, faites l'événement. Cet événement a vraiment dépassé les frontières de son pays d'origine. D'abord avec l'extension de la fête en Belgique et dans 10 villes européennes depuis 2003. Puis on a eu l'organisation de la journée européenne des voisins qui se déroule dans plus de 150 villes d'Europe et même au-delà avec le Canada, la Turquie, enfin bref. Beaucoup de pays jouent le jeu et vous, est-ce que vous avez fêté l'événement, qu'en pensez-vous de cette fête des voisins? Est-ce que vous vous entendez bien avec vos voisins? Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai une petite déconvenue avec le mien dans la semaine. Mais bon, voilà, on va dire qu'il y a de tout et de rien. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut rester convivial et surtout... Et bien s'entendre avec son voisin, parce que c'est quand même utile parfois, hein, parce que si on sait jamais, on part, le voisin a un petit œil sur votre maison est en train de brûler, au moins le voisin appellera le pompier, parce que si votre voisin n'aime pas vous, ben, il va laisser toute case brûler, hein, donc voilà. En tout cas, c'est une belle chose la fête des voisins, mais il faut se dire, c'est comme la Saint-Valentin, il faut savoir s'apprécier tous les jours de l'année et pas seulement une journée. Donc maman, est-ce que tu ne veux pas gagner un cadeau aujourd'hui? Parce que personne n'y répond. Et plus facile que ça, il n'y a pas. Donc, mais répète l'expression rayonnaise à trouver. Donc, que ça il veut dire dans blanc et en noir. Il est facile quand même. Donc, si on en a la réponse, Zot y appelle au 06 93 81
64 73. Il y a des cadeaux, des jolis cadeaux à gagner. Donc si ça tu veux pas, moi m'y prends le cadeau pour moi. Hein. Donc ça veut dire dans blanc qu'est en noir. Donc si on en a la réponse, ça t'y appelle à nous au 06 93 81 64 73. Nous attend azote à l'antenne. Donc m'y parler de voisins. Mais justement, il va parler de quelque chose qui rapproche un peu parce que ben, de nos jours, nous favorise plutôt tout ce qui est amitié virtuelle. Voisin virtuel, mais je ne connais pas ce que nous peut avoir. Mais en tout cas, les amitiés virtuelles, les de plus en plus à la mode. Et justement, mais ça parle à la zone des tendances des réseaux sociaux. Ben oui, on ne peut pas passer au-delà de ça. On est quasiment tous inscrits et connectés à un réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. En tout cas, pour des raisons personnelles ou professionnelles, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir une visibilité non négligeable et nous rend de plus en plus accessibles aux autres à distance. C'est vrai que là, on va parler un petit peu par le biais de cet article de 5 tendances qui va marquer l'année des réseaux sociaux. Avant ça, j'ai une personne qui m'appelle. Donc, je pense que cette personne a peut-être la réponse. On reviendra aux réseaux sociaux. On va prendre la personne à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis avec... Loulouk. Loulouk. Oui. Loulouk nous appelle de quel endroit? De toute la Réunion, parce que je suis le roi de la Réunion. Oh, t'es où, le roi de la Réunion? Oui. Où les Suissins? Oui, demande Sophie, il connaît lui. Ah, Sophie, il connaît. Sophie, vous connaissez Loulouk? Oui, le roi Saint-Louis, à ce qui paraît, elle dit. Ah, mais non, mon grand homme, mon Dieu, mais c'est le roi de la Réunion. Il y a un roi, c'est André, mais le roi, c'est André aussi. Ah, da. Eh bien, où appelle à nous? Pourquoi? Pour cause avec Sophie ou bien pour répondre à l'expression rayonnaise? Mais veux les deux, moi. Vous veut les deux? Eh ben, oui. Non, ah, ben, où est bien, où est roi pour... Où l'a bien dit, où l'a un roi parce bah que l'argent pour gagner, l'argent. L'argent peut-être pas, mais un cadeau surprise ou nena pour gagner. Donc, si vous répondez bien à l'expression, par contre, Loulouk oui. Même, hein. Alors, Loulouk. Blanc et noir. Alors, ou nena, 10 secondes pour dire moi, c'est quoi pour être dans blanc et noir? Dis-moi un petit coup là. Sophie connaît que je dis parce qu'il n'est pas que lit. Dans blanc et noir, il y a une cause bien avec vous, mais dans son tour, il porte pas où dedans. Il veut être mal. Et devant, on lui dit, ah, moi, il veut où avance, mais seulement dans deux livres, il veut pas où avance, il m'a dit d'aller. Je suis là, mal au qui alors? On la trouve le bon mot, Sophie. Est-ce que vous pensez que. Vous pensez que Loulouk n'a la bonne réponse? Ouais. Vous pensez bien? Moi, il pense que oui. Enfin, il y a des choses. Et surtout, il connaît que moi, le pas dans le bloc, il y a un pour lui. Ah, ça, c'est une belle révélation, en tout cas, Loulouk. Où vient de Saint-Louis, c'est ça? Ça même. Ben, Loulouk, vous voulez savoir quel cadeau l'a gagné? Vous pensez qu'on l'a gagné déjà? Oui, en tout cas, félicitations, c'est bien ça. Hein. Un dent blanc et un noir, c'est une personne qui devant les gens, il paraît bon, on va dire. Il monte un bon figure, mais derrière, les mauvais font, comme il dit. Voilà, donc voilà, c'est effectivement ça. Et Loulouk n'a pas. Comment? M'a gagné le cash? Non, pas gagné le cash, mais le cash, ça c'est notre jeu, ça. Que ça m'y peut donner. Est-ce qu'on est l'auto? On a 2-3 loto. Ben. T'es ben mon ave, t'es ben les rois vraiment, t'es ah oui dangereux. Et ben si misez-vous comme ça, que vous la gagne un lavage premium de l'une de voiture avec véhicline. Est-ce que vous êtes content? Mais non, on sera obligé de prendre. Oh tiens, comment il est là. En tout cas, Loulouk, vous la gagne un lavage premium avec véhicline, hein, véhicline que. Justement, il propose tout type de lavage pour les voitures, les véhicules de manière générale. Donc, ce que nous fait, nous garde de coordonnées, Loulouk. Est-ce qu'on a un message à passer? Oh, mi pour Sophie. Allô, Sophie, tu as deux là, connais comment il est. Merci, oh, c'est gentil, il fait plaisir. Et on a un message pour la famille et tout ça? Ben oui, à maman plutôt famille, ma petite camarade et mon camarade et mon famille. Pour l'infénomène. Bisous à le gorge, m'y voir derrière avec Sophia et les tujas de mon cœur. Super Loulouk. Merci, fait plaisir ben, Loulouk. En bonne tout cas, nous passons une bonne soirée, nous gardons de coordonnées. Merci, je suis pareil. Et nous va rappel à où pour dire où comment récupérer de cadeaux, les bons? Pas de soucis. Super, merci beaucoup, allez. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, si vous aussi, si vous veux faire, ben, comme Loulouk,
Je t'y appelle à nous, mais si j'ai envie de causer avec Sophie aussi, hein, on a le droit. Hein. Donc, pas été dit. Hein. Mais Zot aussi, Zot, il peut gagner. Est-ce que Nana a encore un cadeau pour gagner, Dani? Est-ce que Mi peut faire gagner encore un cadeau? Oui, Nina, on est encore. Nana encore un cadeau? Oui, Nana encore deux encore. Ah, Nana encore deux. Belle et bon, alors. Donc, on va donner à Zot une autre expression rayonnaise. Alors, l'expression, c'est bœuf devant, il boit l'eau propre. Ah, Sophie, est-ce que vous connaissez ça? Ouais. Dis pas sans moi, mais est-ce que vous connaissez? Oui, oui. Donc, Kosei veut dire bœuf devant, il boit l'eau propre. Ah ah. Donc, soit ça te donne à moi l'expression en version française, parce qu'il y a une expression exactement française, même comme il dit française, hein, dans la langue française, qui veut dire la même chose. Ou sinon, ça te donne à moi l'explication de Pouzot en créole. Kosei veut dire bœuf devant, il boit l'eau propre. Donc, si ça te donne la réponse, il faut appeler au 06 93 81 64 73, fais comme Loulouk et appelle à nous. Donc, tout à l'heure, avant que Loulouk t'appelle à nous, mettez t'es pour parler à Zot des réseaux sociaux et notamment, donne à Zot les 5 tendances que va marquer cette année sur les réseaux sociaux parce que Zot, toutes les dessus hein, de nos jours. Donc, ben, explique à Zot un petit peu c'est quoi les tendances et Zot verra aussi notamment ben, en étant dessus. Quoi. Donc, nous en a tout d'abord le retour en puissance de l'ordre chronologique. Donc, c'est lorsqu'on pourrait penser qu'on sait que les réseaux sociaux vont les mettre de côté pour revenir au format chronologique. Aujourd'hui, rares sont les réseaux sociaux qui proposent un fil d'actualité chronologique. Donc, tous les réseaux sociaux, ou presque, sont gérés par des robots prenant en compte de nombreux critères, notamment la pertinence, pour créer votre fil d'actualité. De ce fait, vous ne contrôlez pas ce que vous voyez en tant qu'utilisateur. Ben oui, des fois, où un affaire date de un an, deux ans ou deux, trois jours et on croit que ça, c'est ben, là, se passer là. C'est notamment ben, les informations. Nous, à La Réunion, quand on a cyclone, quand on a l'école IFM, on a des gens qui partagent des choses qui datent de ben, un an, deux ans et ben, nous perdent à nous, quoi. Nous croit que c'est dans le fait de l'actualité. Eh ben non, Twitter est le premier à sauter le pas. Donc, comme nous l'avons évoqué, il y a un petit instant, il est possible de choisir un format chronologique pour suivre son actualité. Bon, ben, Dani, décidément, on ne finira pas le petit thème. Hein, nana, des gens y appellent. Est-ce que m'y prend, m'y laisse sonner, non? Chouve. Laisse sonner. Des fois, faut se laisser désirer. Hein, quand faut même. Se laisser désirer. Non, allez, m'a répondre, après m'a revenir quand même. Parce que m'y aime bien donner cadeau, les gens. Ah, mais non! Ah ben nous appelons de la personne. Ben nous appelons personne. Ben si elle y veut, ben elle y peut rappeler à nous, hein, ou d'autres personnes. Donc me disait, on a le format chronologique qui revient en force. Après, on a les influenceurs là de plus en plus sur les réseaux sociaux. Les gens que voilà, ils incitent à Zot à acheter telle marque. Ils montrent à Zot que telle marque est bon. Qu'ils disent à Zot comme ça que telle astuce est bon, tel conseil est bon. Donc tout ça, de plus en plus d'influenceurs, ils viennent. Ils disent à que ça il faut faire d'autres vies. Donc ça nous appelle ça des influenceurs, ils allaient payer pour ça, ils allaient payer pour voyager, pour utiliser des produits, pour porter des marques. En tout cas, voilà, nous voit ça de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et justement, les stars utilisent notre pouvoir d'influence pour être aussi influenceurs. Donc on a quelqu'un à l'antenne, Dani, donc, qui veut répondre à la question. Donc bonsoir. Allô, bonsoir. Dani. Allô. Bonsoir, bonsoir. C'est pas Dani, c'est Nana. Vous veut Dani? Vous veut pas causer avec moi alors? Allô? Oui, bonsoir. Nous sommes avec. Comment? Nous sommes avec qui? Sandrine. Sandrine appelle à nous de quel endroit? Ah, là de loin, de Saint-André. Saint-André. Alors, est-ce que Saint-André, il fait bon Saint-André? La pluie tombe pas, rassure-moi. Oui, non, ça se ferait après midi, mais sinon, c'est bon. Sinon, il fait bon. Que ça l'a fait un petit peu Sandrine ce week-end. Aïe aïe aïe, mariage, anniversaire. L'ambiance alors. Ah oui, l'ambiance. L'ambiance salvée être comme il dit. Oui, où ça Sophie l'a chanté, hein. C'est où ça Sophie l'a chanté en plus. Oui. Donc, coucou Sandrine. Voilà, donc elle lui fait un petit coucou. Donc Sandrine, vous l'appelez à nous pour quoi? Pour gagner cadeau, pour cause avec Sophie, cause avec Dani, cause avec moi. Pour le jeu, pour répondre le jeu là. Pour répondre le jeu, d'accord. Et est-ce que vous pensez qu'on a la bonne réponse, Sandrine? Ben, m'espère. M'espère? Ben, m'espère pour aussi. Donc, Miaro, répète à où? Mais répète à où juste l'expression. Donc, on a 10 secondes pour donner à moi soit l'explication ou soit l'expression française qui correspond à ça. T'es ben à l'ambiance, c'est cool, hein? M'entends, là? Ah, ben, mon nom, ben, c'est bien. Donc, Miro donne à où l'expression rayonnaise. Donc, bœuf devant, il boit de l'eau propre. Donc Sandrine, que ça veut dire? Alors le premier, il
sera toujours le premier, sera toujours le mieux servi. Ah, et où et pense... le dernier des barrages sur la terre. D'accord. Où pense que c'est ça la bonne réponse? Ah, ben... Ah, nous, les sûrs, nous, c'est... Ah, on les sûrs. C'est qui derrière, Sandrine? Ah, c'est camarade, ça. Camarade, oui. Camarade. Eh bien, Mounan, à l'ambiance, et il y a Sophie. Est-ce que oui. Pour... Vous pensez que c'est la bonne réponse? Oui, mais pense que Sandrine a dit c'est vrai, quoi. C'est la bonne réponse. Ok, ben voilà, on est en mode en chant derrière là. Waouh, Othé fait plaisir, oui. Ouh là là, Othé, ben ça tendrait les enfants. Sandrine. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. En tout cas, Sandrine. C'est gagné, félicitations, c'est la bonne réponse. Bravo Sandrine. Ouh là là, bravo, bravo, effectivement. Bœuf devant et boire l'eau propre, il veut dire premier arrivé, premier servi. Othé, ben, félicitations Sandrine. Est-ce qu'on veut connaître que ça l'a gagné? L'argent. Non, l'argent, c'est notre jeu. Dany, que ça l'a gagné Sandrine? Deux places de cinéma pour le film de votre choix. Voilà. Ah, voilà, Sandrine, bon, voilà. Où ça cinéma où? Oui, ça va. Ben, là, nous donnons aux deux places pour aller garder le film de haut choix. Et en ce moment, on a de super films en plus. Hein. Oui. Donc, vous les contentes? Non. Comment? Vous les contentes? Oui, bien sûr. Toujours des places de cinéma, regarde l'amoureux. Ah, ben c'est bien, c'est bien. C'est quoi le prénom de l'amoureux? Ah, Willy. Willy. Donc, Willy, où l'a vu? Donc, la donne à un petit cadeau, petit madame, il emmène à haut, cinéma en amoureux. Donc, est-ce qu'on a un petit message, Sandrine? Un petit message, ben, bonsoir tout le monde, ça t'écoute à nous et c'est un beau lac. Et dis Sophie, c'est un beau lac, pas. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Ah, merci cool. La famille. Il fait plaisir, hein, franchement, merci beaucoup. En tout cas, bonne soirée Sandrine et bonne soirée aux camarades que les DAI avec vous. Et bonne semaine. Ok, merci beaucoup. Allez. Ouh, l'ambiance est à fond, en tout cas, DAI, ça tendrait. Hein. Super, super. Alors, connais, à soi deux fans de Sophie, la gagné. Hein. Loulouk avec Sandrine, donc Loulouk de Saint-Louis et Sandrine de Saint-André. Donc, allez, nous fais gagner un dernier cadeau. Un dernier, hein. Dernier pour la route. Un dernier pour la route. N'est bon? Donc, ça, c'est très facile. Plus facile que ça, non, mais là, franchement, on est très généreuse ce soir. Hein. La prochaine fois, on ne sera pas généreuse comme ça. Hein. Donc, que ça veut dire? Rod Carapace, si t'étais bœuf. Ça, c'est une expression très créole, très utilisée. Rod Carapace, si t'étais bœuf. Alors là, si elle n'a pas trouvé, c'est pas possible. Hein? Alors. Mais facile, non? Moi, m'y connais pas. M'y connais plus. Moi, m'y connais pas. Non, les simples en plus, hein? Parce que quand on écoute l'expression créole, donne un petit peu la réponse en français en réalité. Hein? Donc, soit les gens, s'ils en ont la réponse, tu donnes à moi l'expression en français. Et pareil, l'expression en créole. Sinon, vous êtes exprimé à Zot en créole. Donc 06 93 81 64 73. Donc Rod Carapace, si t'étais bœuf. Le dernier cadeau à gagner, 06 93 81 64 73. Donc m'essaye quand même de finir ce que me disait sur les réseaux sociaux. Donc nous disait que les réseaux sociaux... Ah ben non, il ne pourra pas. Hein. T'es, les gens y appellent. Hein. Ça, c'est les aléas du direct, hein, comme il dit. La priorité au direct, la priorité aux gens et aux cadeaux. Bonsoir, on est avec. Allô, bonsoir. Avec. Allô, Steven. Comment? Steven. Voilà, ça mène. Steven, tu nous appelles de quel endroit? Saint-Denis. Steven, qu'est-ce qu'on a fait un peu ce week-end? Ouh, la fête! Oui, mais ça, tout l'a fait la fête alors? Ah, il y a tout le temps comme mariage. Mariage, la fête, l'ambiance alors? Ben. Alors, Steven, on l'appelle pour jouer, m'y suppose? D'après où, ma tante? Ah, t'es ma tante! Oh, t'es!
Là où là tu es tout là Steven T. Rien. Steve, nous n'avons rien que fan, Sophie, à soir, nous là. Oh, voilà. Ensorcelée. Ouh là là. Ah, mais carrément. Moi, ma tante, par contre, Sophie, ensorcelle. Sophie, la sorcière, et moi, ma tante. Ah, mon nom, si vous l'avez gagné, là, si vous l'avez gagné, on a intérêt ni trapout de cadeau, comment elle est là, parce qu'il faut me rendre compte à où, hein, pas possible. Parce que maman, t'as au moins qui ça m'a tenté. Ah, moi, m'a tenté. Comment elle dit, mais... Ah, là, mais puis d'accord, moi, là, t'es... Ah, non, là, t'es... Ma même pas envie de faire gagner, on veut te raccrocher. En plus, m'a donné mon appel d'ailleurs. Mais non, je ne suis pas susceptible, on va dire. Donc, il a essayé 5 secondes au lieu de 10 secondes. Voilà, ben justement, ben voilà, on aura moins de secondes pour répondre. Donc, il redonne à vous l'expression et vous doit donner à moins du tac au tac. Hein. Si vous la réfléchissez ou la commence, fait un ou un, comme vous voulez, à moins, il raccroche. D'accord? Donc, Steven de Saint-Denis, que ça veut dire « rote carapate sur tes bœuf » T'as rien camarade autour de moi, qui base rien que dessus moi, tous les jours. Alors c'est ça votre réponse? L'abuseur de tous les jours. L'abuseur sur une seule personne. Quelqu'un qui abuse une seule personne? C'est pas trop ça, hein? C'est pas trop ça la bonne réponse. Hein? Mais comme il est fan, non mais c'est pas ça du tout la réponse, hein, Steven. Hein? Rod Carapace, si t'étais bœuf, c'est pas du tout ça. Hein? Allô. Allô, oui, je Allô, suis avec. Oui, c'est la fille Steven, Mariani. Alors là, c'est pas possible, là. C'est plus possible. Là. Ça devient n'importe quoi. Ça oui, devient vraiment un délire total. Là. Allô. Steven, est-ce que Steven est là? Steven, en fait, il connaît pas la même. Ah mon Dieu, mais en tout cas Steven, c'est perdu, hein. C'est pas du tout la bonne réponse. Malheureusement. Steven, vous êtes encore là? Steven, on a perdu Steven. Ah, on a perdu Steven. Ouais, on a perdu. Ben, en tout cas, c'est pas du tout la bonne réponse. Malheureusement. Une autre personne appelle, on va essayer de voir avec cette personne-là. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, je suis avec Marie. Marie. Marie qui nous appelle de quelle ville? Bah de Saint-Paul, je t'ai vu tout à l'heure. Ah, tu m'as vu tout à l'heure? Oui. Moi ou Sophie? Parce que tout le monde y appelle pour Sophie, mais il ne connaît plus pour moi, pour Sophie. Non. Ah, c'est pour moi. Annel, oui. Ah oui. Ah, ben voilà, t'es à moi cité. Mais content, il fait plaisir. T'es de mon appel un petit peu pour moi. Il n'y a pas rien pour Sophie. Non, mais rigole. Voilà, la jalousie. La jalousie. Là, moi, les jalouses. Là, mes dents bloquées. Non, mais plaisante. En tout cas, il fait plaisir. C'est Marie de Sainte-Anne, c'est ça? Alors, Marie de Sainte-Anne, on l'a vu à moi tout à l'heure. Ah oh, non, pas Sainte-Anne, Saint-Paul. Ah, d'accord, ok. Et Marie, que ça y raconte un petit peu ce week-end, que ça vous l'a fait? Ben rien, ma nouveau à nous tout à l'heure. Voilà. Ah, ou la nouveau à nous tout à l'heure. Oui. Ah, en plus, il a fini de gagner. C'est un monde qui a fini de gagner. Ah, ben la semaine dernière, sinon c'est un mois de ça. Hein. Un mois de ça? Ben oui. Ah, ben là, il faudra laisser la place aux autres, la Marie, parce qu'il y a plein de gens qui appellent et... On va dire qu'il faut quand même laisser un petit peu la place, 2 mois, 3 mois, si vous la jouez. Mais là, s'il fait que 1 mois, vaut mieux laisser la place aux autres. Rappelle à nous, que pas moins, ben pendant les vacances de juillet. Là, on pourra gagner notre cadeau, elle est bon? Okay. Nous fait comme ça, Marie? Est-ce qu'on a un petit message, Marie, quand même? Bonne soirée à tous et très heureuse d'avoir vu à l'autre. Ah, ben en tout cas, moi aussi, j'étais très contente de te voir, Marie. Je te fais de gros bisous et bonne soirée. Mais par contre, les proverbes, les mal interprétés, non? C'est-à-dire? Ma compris, c'est rod carapate. C'est pas comme carapate? Non, c'est rod carapate si t'étais bœuf. Bon. Ah ah!
Il y a un trigazote, ça, hein. Il y a un trigazote, ça. Malgré le premier truc, Non. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs expressions, mais là, c'est vraiment rôde carapace, t'étais bœuf. Donc, si... Okay. Voilà, donc, Marie, je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et si vous avez la réponse, donc j'ai une autre personne qui essaie de nous appeler. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On est avec le papa de Radjen. Le papa de Radjen. Voilà, je joue pour mon fils, il a 6 ans, donc voilà. Ah, et le papa de Radjen, prénom ? Eric. Comment ? Eric. Eric. Voilà. Eric, tu nous appelles de quel endroit ? De Saint-Paul. Ah, Saint-Paul. La plaine Saint-Paul. Et que sont la fête voilà. Ce week-end ? Eric. Oh, bon, là, c'est un peu la fête, hein. Voilà. Le week-end, on travaille très dur la semaine, donc on en profite pour le week-end. Zot, tout, il fait la fête, hein. Pas possible, hein. Ah, ben voilà, ben, ça veut dire que la réunion, vous savez, on dit les gilets jaunes, le pouvoir d'achat baisse, mais au moins, même si on est au cul, on est heureux. C'est bien. C'est une vision des choses. Donc Eric, Eric de Saint-Paul. Donc l'expression... Je vais pas me résumer ici, hein, parce que je m'appelle Eric Jean Jimmy, donc mon nom est Jacques et Jimmy. Hein. Donc... Écoute bien, parce qu'il faut faire attention, parce qu'effectivement, un mot, il peut changer, on va dire, la signification de l'expression. Mais là, c'est bien, rôde carapace. Il y a le mot qui peut changer, voilà. Mais seulement aussi, il y a l'expression, la façon de la dire aussi. C'est ça. Donc parce là, la façon de dire les choses. C'est ça. Et là, c'est rôde carapace, si t'étais bœuf. Rôder le carapace, c'est rôder. Chercher, si tu veux, en français. Ah, voilà, bien sûr. Mais ça veut dire... En fait, quand on dit un carapace, c'est la carapace, c'est le côté de bœuf, ça veut dire que, par exemple, vous avez des gens qui abusent sur vous. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est des opportunistes. Mais rôder le carapace, c'est le bœuf, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le tri autour de lui en cherchant les personnes qui abusent de lui et qui, qui dépendent de lui, en fait. Est-ce que ça vous va ? C'est pas exactement la réponse que j'attendais. Après, vous savez, c'est le créole, la langue créole, c'est une langue, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas d'orthographe, oui. Il n'y a rien. Mais là, chacun interprète à peu près à sa manière, on va dire. Mais là, les précis, rôde carapace si t'étais bœuf. Rôde carapace si t'étais bœuf, comme je dis, pour moi, enfin, du moins pour moi, rôde carapace si t'étais bœuf, c'est parce qu'il y a l'expression, enfin, moi, ce que je connais, c'est pas rôder. Ah, carapace, c'était bœuf, c'est tout simplement carapace, c'était bœuf. C'est-à-dire que c'est des personnes opportunistes qui ont profité d'une autre personne pour pouvoir exister, pour pouvoir briller. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne et les gens autour, c'est comme des carapaces, c'était bœuf. Qui en profitent, les gens qui en profitent sur une personne. Voilà. Et après, rôder, c'est peut-être faire le tour sur le soir, regarder, c'est-à-dire chercher les personnes qui abusent de soi, qui profitent de vous. Ben malheureusement, c'est pas ça, Eric. C'est vraiment précis. Malheureusement, c'est perdu. C'est vrai que c'est une expression qu'on peut utiliser dans plusieurs cadres. Mais c'est pas celui-là que j'attends, on va dire. Voilà, malheureusement. Bon, ben Eric, est-ce qu'on a un petit message quand même ? Bisous Sophie. Bisous à vous. Bisous à la radio. Bonne continuation. Merci. Bonsoir Eric. Y a pas de souci. Merci beaucoup Eric, bonne soirée, bonne semaine. Je suis beaucoup et donc ça me fait plaisir. Ah c'est bien, elle est contente aussi Sophie. Ah oui, très contente ce soir, franchement. Elle est contente. Ah oui, super. Merci beaucoup. Allez, bisous Sophie. Allez, bisous, bonne soirée. Stop. Alors. Et t'as ramené ton fan club ce soir. C'est le fan club de Sophie qui nous appelle ce soir. Hein. En tout cas, il fait plaisir, hein. Franchement. Ouais, mais ça fait plaisir. Ça montre qu'il y a des gens qui te suivent. Ouais. C'est bien effectivement, ça. Effectivement, oui, un petit fan club. Donc, trop contente. C'est cool. Bon, ben, Dani. Oui, allez. Bah, ils gagneront pas. Hein. Moi, je fais plus gagner. Hein. Allez, dernier rappel pour ce soir. Dernier rappel. Hein. Si quelqu'un a la réponse, parce qu'après, il faut que je laisse quand même ma place. Hein, bah, oui. Là, il tourne comme il dit. Donc, que ça veut dire rôde carapace, tu t'étais bœuf. Fais attention à l'expression rôde carapace, tu t'étais bœuf.
les pas compliqués, il peut s'y apprendre, mais c'est pas une histoire, il abuse, c'est pas du tout ça. Donc si on a la réponse, 06 93 80 64 73, mais il conclut juste sur ce que j'étais en train de dire sur les réseaux sociaux, donc nous disait aussi que voilà, Nena les influenceurs, Nena la mode des fils d'actualité chronologique, mais Nena aussi beaucoup de commerce en plein essence sur les réseaux sociaux. Ben, nous utilisons beaucoup ça, hein, pour mettre en avant nos entreprises, nos produits, se mettre en avant aussi musicalement, se vendre. On va dire que ça reste un lieu où on fait un peu son marché, on a un petit peu de tout. Ce n'est pas uniquement à usage personnel. De plus en plus utilise la pub, on va dire le boost des publications pour pouvoir faire de la pub pour leurs produits et pour leurs entreprises. Donc ça reste quand même très important. Et enfin, on a les messageries instantanées. Et oui, l'introduction du mobile dans notre quotidien a considérablement transformé nos habitudes de consommation. Et même l'usage du mobile lui-même a évolué. Avant, nous avions l'habitude de communiquer par SMS. Aujourd'hui, ce sont les messageries instantanées. Oui, on demande souvent, ben, est-ce qu'on en a Messenger, par exemple. Voilà, c'est ce genre de truc. Il dit plus si on a un numéro de téléphone. Il ne rate plus ça. Il demande si on a un Facebook, si on a un Instagram. C'est ça, la règle. Donc voilà, tout le monde, on va dire, est un peu sur le feu des événements. Nous, on a une autre personne qui appelle à nous en espérant qu'elle a la bonne réponse. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, nous sommes avec... Willy de Grandbois. Willy de Grandbois. Willy, comment il est Grandbois? Ça va, ou même... T'es, ben, il est la même. Est-ce que vous en avez la réponse ou à la question? Enfin, à l'expression. Il donne la réponse. Il donne pas vraiment la réponse. Ah, ben, l'ami pourra pas donner quand même, Willy. Hein? Donc, m'y redonne un... Mais redonne à où l'expression et après dis à moi c'est quoi. Donc rod carapace sur tes bœufs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rod la petite bête sur la pointe. Est-ce que vous êtes sûr de réponse? Je ne peux pas pomper, mais c'est assez quand même. Donc rod la petite bête ou ça n'a point. Willy. Bravo, c'est la bonne réponse. Et oui, c'était ça. C'est pour ça que me disent les gens. Faites attention à la manière, à la phrase « Rod carapace sur tes bœufs », c'est « Cherchez la petite bête ». Bravo, Willy. Merci, merci. Est-ce qu'on veut connaître que cela a gagné? Ah, ben, je ne sais pas, que ça a gagné. Voilà, ou rôde pas l'argent comme les autres, n'espère. Ah, ben, je suis donné mal à l'argent, mais pas. Alors, Dani, qu'est-ce que Willy a gagné ce soir? Et ton arroula, Dani, ton arroula, mais ton rien que la base. Alors, ben, ce soir, nous offrons le CD de Sophie Ligdamis. Mal à point, moi. Mais non, moi. Ah, donc, du coup, il a quoi? Il obtient quoi? Le CD de Sophie Ligdamis. Bon, Willy, où l'a gagné l'album de Sophie Ligdamis? Ah, mais l'a gagné l'album. Ouais, ou la gagne un album, on dirait qu'il est pas content. Ou la gagne, content. Elle a dit arrête donne la vache. Ou l'a dit arrête donne la vache, arrête donne ça que nous ben nous donne un cadeau. Non mais pas un cadeau, ben ne fais pas gagner l'album, mais écoute elle tous les jours. Heureusement rattrapé. On a déjà, à ce qui paraît, il a déjà lu l'album. Ah bon? Ben, il faudra au prouve à nous ça qu'on viendra attraper non, le cadeau. Non, prouve tout de suite, allez. Qu'est-ce qu'il y en a sur l'album? Tiens. Oui, un titre de... Un titre de l'album. Le titre de l'album, comment il appelle? Silence radio, nous avons perdu Willy. Alors, Willy. C'est quoi, demande-moi? Willy, il est un petit peu en retard. Il demande à où, c'est quoi le titre de l'album? De quel album? De Sophie Ligdamis. Le dernier. Le dernier album, le oui. Titre de dernier album. Ben même. C'est l'affaire avec Gaëti là. Oui. Ouais. Comment il s'appelle? Eh, t'as une redition, t'as Nadia. Ah, arrête à où? Bon, alors, Dani, est-ce que nous donnez l'album, nous donnez notre cadeau? Nous donnez l'album, tiens. Non, moi, notre cadeau. Ah, mais pas l'album, mais. Bon, allez, nous offre deux brins. Non, Sophie, Jaï, comment je ne vais pas l'album, mais on entend déjà. Ben, elle est bien, en plus elle est dédicacée. Non, ben, notre cadeau. Bon, nous reste ce cadeau là, Dani. Ah bon, ben les choisis, soit la 1, soit la 2. Soit la 1, soit la 2. Choisis un chiffre.
Entre un et deux. Willy ? Oui ? Choisis un chiffre entre 1 et 2. Cadeau 1, cadeau 2. Lesquels ou veut ? Le 2. Le 2. Ah voilà, ok. 2 deux CD de son billet d'album. Ok. Hein, là, tu ne veux pas l'album, là, non, non, il n'y a pas rien, mais dis t'en y arrête. Hein. Et... Bon, allez, nous avons deux places de cinéma. C'est bon ? Deux places de cinéma, pour veille le film de haut choix, Willy. C'est bon ? Pour veille le film de haut choix, c'est bon ? Pas de problème, pas de problème, ça. Bon, ben Willy, est-ce qu'on a un message ? Plus le CD de Sophie Damis. Bon, tu ne pas franchement, c'est pas de exode. Super. Les top. Tu bigues pas Sophie, elle continue comme ça même. Merci. Et l'ambiance est bon même. Merci beaucoup. Je m'attends à ce grand matin même. J'essaye. En tout cas, il fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Même si tu veux pas mon album. Tu vas représenter Ali. Bon, ben Willy, bonne soirée et bonne semaine à toi. À tout pareil. Allez, bye bye. Merci à toi. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ben voilà, Willy qui clôture ce lot des gagnants de ce soir, composé de Loulouk de Saint-Louis qui la gagne avec Véhicline, donc un lavage premium. Sandrine, deux places pour regarder le film de son choix au cinéma. Et Willy, idem, Lily a gagné le ciné, l'album, Sophie, tout avec. Mais vous faites rire. Ah, ah là oui. Là, et sérieux les gagnants de vos dires. Ben, ce soir, on n'avait rien que les fans de Sophie. Ah oui, que des fans, que des fans. En tout cas, c'est bien. Ça fait plaisir hein, ah oui. D'entendre ça. Hein. Bon, bah, du coup, plaisir. On va t'embaucher dans l'émission. Hein. Ouais, bah oui. Hein. Elle fait augmenter le... ouais, l'audience. L'audience. Mais bon, ben, ma clôture quand même la rubrique, parce que bon, c'est vrai que nous, elle a été un petit peu perturbée par les appels. Mais m'a quand même dit ma phrase du jour. Parce que m'y ça jamais. Sans dire la phrase du jour. Et la phrase du jour, c'est « La vertu des femmes n'est due qu'à la maladresse des hommes. » Ah. Non, mais pas d'accord dessus. Hein. Ah, et bien, moi, midi sur ce, m'y fais à zote de gros bisous. Et midi à zote, bonne semaine. Bye bye. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Allez, de retour sur Créole FM pour ce dimanche soir, du côté de l'hôtel Archipel. Dans un instant, donc, l'interview de Sophie Ligdamis, qu'elle est bien contente de ce soir. Hein, hein. Et comment voilà, nous on fait une petite pause quand même musicale, hein, avec le titre Mon aimé. Hein. Et puis on revient juste après pour l'interview de Sophie. C'est bon ? Yes, I. Yes, I. Allez, à tout de suite sur la radio. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Des bijoux de perlas, c'est des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions. Contactez-nous au 06 92 71 31 64. 71 31 64. Retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas, avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques, à 42,50€ seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Tentez de gagner l'un des bons cadeaux avec la pizzeria Flamenjo. Un bon cadeau égale 3 pizzas de 33 cm. Tentez vite votre chance en envoyant pizza P-I-Z-Z-A au 80 90. Boudoumbam, viens retrouver Jacques, Betty, Grand Lai, Mélissa et Yannick dans la gare routière. Boudoumbam, allons refaire la musique La Réunion, nous tout ensemble. Bonne morceau, il rappelle le temps longtemps. Bonne morceau, la jeunesse ordi. Tout ça la chanter a cappella, rien que vous autres. Boudoum Bam, le spectacle musical en tournée dans toute l'île à partir du 1er mars. En attendant le cas, envoyez au cabaret. Likez la page Boudoum Bam et suivez la tournée. Boudoum Bam ! Ton équipe complètement barjot débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, pour te faire plaisir. Les interviews, c'est maintenant dans l'émission Tropical Night. Allez, de retour sur Créole FM pour ce dimanche soir en compagnie de Nana Animatrice. Ça va toujours, Nana ?
ça va toujours en discussion avec notre amie Sophie. Ah Sophie, ça va? Bonsoir. Bonsoir Dani, ça va? Et où? Bonsoir aux auditeurs, auditrices. Bah oui. Et bonsoir à Naël. Voilà. Bonsoir Sophie. Et bonsoir à tous mes fans. En tout cas, tout à l'heure, moi, t'es très contente. Hein. Ah bah oui. Hein, tout le monde nous présente plus, hein, Sophie. Hein, Sophie, tout le monde connaît elle. Hein? Ben oui. Ouais. Parce que nous l'avons entendu tout à l'heure. Oui. Ah oui, en tout cas, ça te rappelle à nous, t'es connaît à elle. Hein. Ah oui. Là, tout à l'heure, quand même. Donc Sophie, vous êtes originaire de Saint-Leu? Oui. Ah, pas trop loin en plus. Non, ça va. Oui, originaire de Saint-Leu. Il habite à la Saline seulement. Oui, il habite la Saline, forcément. Hein, et pas trop loin. En plus, vous connaissez, nous les pas trop loin de où, hein, quand on fait l'émission à l'hôtel Dynamo Gabine, le troisième dimanche du mois. Où ça? À l'hôtel Dynamo Gabine. Ah, oui, à la Saline en plus. Faudra baiser un tour. Donc c'est pas tous les dimanches. Non, ici, alors. À l'archipel, c'est tous les premiers. On est un peu partout, en fait. Oui, c'est une tournée d'émissions. Voilà. Hein, façon, c'est bien. De toute façon, vous allez être embauché bientôt. Donc, pour faire quoi? Pour être animatrice, attends. Ah, non, là, on est là, elle est top là. Elle est attire. Oh merci, c'est gentil. Ouais, top, donc pas. Non mais oui. Tu attires. Tu attires l'audience. Ah oui, c'est l'audience qui compte. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, nous allons voir le contrat merci après. Merci mes fans. Hein. Voilà, donc à partir de ce soir, Sophie est embauchée. Ouais. Voilà, donc Sophie, ça fait son auto-interview. Voilà, elle va s'interviewer elle-même. Mais non, peut pas faire ça. Je reste à ma place. Pourquoi reste à ta place? Parce que c'est pas mon non, truc. Alors, franchement, là, d'accord. Donc, vous les originaire de Saint-Leu, vous habitez à Saline, et vous les maman de trois enfants. Oui. D'accord, il n'y a pas le comment tes trois enfants? Perrine, Alexandre et Sophia. Bon, on salue quand même Perrine et Alexandre. Et Sophia. Et Sophia. Mmh. Sophia qui est là ce soir également. Nous saluons quand même Oudmarie, hein, oui. Qui éveille les enfants. Mmh. Voilà. Qui éveille Sophia. C'est chouette ça. C'est bien. Oh. Franchement. Ah, quand même. Alors, bon, bah du coup, Bana, que ça y devient? Parce que du coup, il fait longtemps pour que tout va se... Bana. Bah tes enfants quand même. Bah, elle est là, la voix Sophia, bah, oui. Alexandre. Sophia elle a bien grandi. Perrine a sa petite vie à côté. Ouais. Là, aussi mamie. Oui. Pourquoi oui? T'es oulala. Connais bien. Pourquoi tu veux pas oui tu dis ça comme ça? T'es allé lui occupe même faut lui dire tout le oui. Total le capital. De Chanel c'est ça. Oui. Voilà de on Chanel. Salue on salue Chanel quand oui. Même hein. La petite fille adorable. Comme Sophia. Non, c'est un plaisir pour moi d'être mamie, une plaisante. Mais bon. Oui, on sait. Et il fait combien de temps maintenant que vous vivez cette passion pour la musique, Sophie? Combien de temps? Hein? Alors, bah, depuis longtemps, on me dirait. Ouais, quand même, on fait jeune. Hein. Pourquoi mi fait jeune? Bah oui, on fait jeune quand même. À vue d'œil, on fait jeune. Et, moi, les jeunes. Oui, on est jeune, tout à fait. Mais bon, voilà. Ah, on veut connaître, on veut dire l'âge et tout. Là, non, mais ça pas. L'Asie demande pas l'âge à une femme. On voilà, dira pas non plus. en tout cas, comme dirait, est-ce que vous rappelez ce jingle là, Sophie? Tiens, t'en bouge pas. Sophie Ligdamis se rend totalement barjo. Totalement barjo. Ah ouais, me souviens d'un barjo, c'est ça. Ouais. On est complètement barjou en fait. Hein. Non, c'est où plutôt l'animateur. Mais ah oui, va bien dire, hein, parce que franchement, moi, m'y devient folle à force, hein, fréquente Alien. Ah oui, bah, vous ne devez pas arrêter. Oui, ben, mais franchement, là, non, j'en peux plus avec tes ah blagues bon et tout ça. Bah oui, bah après, sur les mauvais cœurs, elle est pas grave. Hein. C'est... Oh, mais non, mais pas mauvais cœur, moi. Non. Mais pas, bon. Dans blanc et à noir non plus. Même pas. Même voilà. Pas. Moi, je suis comme Sophie, je reste à ma place. Voilà. Tout le monde a sa place. Bah oui, tout le monde a sa place. Avec, voilà, quoi, c'est un rêve quand même, hein, de rester à sa place. Mais là il passe pas là par contre hein. Pourquoi il passe pas? Il est en train de donner toutes les titres de mes... Mais encore s'il était bien fait le jeu de mots. Elle est bien fait en plus toi. Là non pour le coup là. Pourquoi elle est pas bien fait? Oh là là. Bon quel dommage alors c'est pas bien fait. Il va rattraper moi sous la prochaine fois. Mmh. Hein, voilà. Donc bon allez. Du coup donc Sophie, vous l'avez eu quand même bon pas à quoi là hein.
Ben, donc, parcours satisfaisant, mais dirais pour moi, hein, personnellement. Donc, n'y en plein pas moi. Hein. On se croyait à l'école. comme il dirait, oui. Très satisfaisant. Je suis satisfaite de mon parcours jusqu'à présent. Donc, voilà. D'accord, donc voilà, eu de bac, mention bien, très bien. Déjà, comme il entend tous les fans qui appellent et pour encourager, hein, donc forcément, il peut être que satisfaite de ce que m'a fait jusqu'à présent. Et voilà, et j'espère qu'on va aller encore plus loin. Il faut dire que moi, il est le premier fan, hein, c'est ça, hein. Ben, merci. que pas si c'est le premier ou dans le milieu, quoi, mais merci quand ouais, même. Ouais, il est le premier. Il faut dire, non, on va faire une préférence quand même, hein, pour ce soir. Au moins, tous les fans y bataillent. Foutre le bordel ou... ah ben, dans ce téléphone-là, on s'est dit, c'est qui le premier fan, là? ah non, on a plein. Bon, plein, plein de premiers fans. Ah, plein de premiers fans. Ah, pour pas faire de jaloux quand même, pour ce soir. Hein. Voilà. Ouais, bien sûr. Du coup, il fait très très longtemps que vous les passionnés de musique, hein, de chant. Voilà, bon, ne sait pas revenir quand même sur le parcours depuis bien avant. Et nous fait un petit rappel quand même de Maxi CD de 5 titres. Donc, oui. Nous l'avons écouté là à l'instant, le titre Mon Aimé. Oui, voilà. Exactement. Et elle est toujours dans les bacs, l'album? Non, en fait, non. Elle n'est plus disponible. Encore quelques-uns avec moi, mais sinon, dans les bacs, non. Elle n'a plus dans les bacs. Épuisé. Alors. Épuisé. Ah ouais, comment, là, ils vont tout à l'heure. Ouais, mais je dirais que... C'est bien parti, hein. Tout est... Non, y a pas de... Tout est parti. Alors, c'est que c'est dommage parce que du coup, tu me parles de l'album que nous va revenir juste après. Parce que dans l'une de tes clips, Oula Gaspé... Dans l'un de tes clips. Oui, dans l'un de tes clips, voilà. On va pas gagner bac, bien sûr. Alors, dans l'un de tes clips... Ouais. Merci. Voilà, dans l'un de tes clips, justement. Donc, je me rappelle plus c'était laquelle, mais voilà. Donc, t'es dans... Ah oui, c'est Mauvais Quai, ça. Oui. Que l'avait fait, l'avait écrasé le CD. Quel dommage. Hein? Oui. Mais il fallait. Donc ben non, il fallait pas. Ah c'est bon? Un trésor, ça. Non, mais net, hein, encore trésor. Mais pas bien que, ben, pour que le scénario soit vraiment réel, quoi. Mm-hmm. Donc, tu n'as pas pensé d'aider un autre pour l'écraser, non? Ah ouais, les rappels de ce clip-là, en plus. Ouais, m'avait vu la café, l'écraser sous la roule auto. Oui, ouais, voilà. Ah, il connaît ça. M'a regardé son clip aussi, hein, me connaît. ouais, alors l'élément perturbatrice. Mais non, non moi m'y confirme. Oui, voilà. Oh, faux. Voilà. Miguel, mais... on la tourne dans les bureaux toutes. Moune tellement mauvais que là je jette le CD, la roule dessus. Au cas qu'il ne regarde pas le clip Sophie quoi. Après le lendemain, elle a dit non, il n'y a pas eu le CD, hein, c'est ça. Ouais, non mais franchement. Madden Alien, t'en fous tant. Bah oui, mais il y a fait encore. Bah oui, mais il y a crasé, non, après non. Non, il n'y a plus crasé. Enfin, ah, on aurait mettre du coup le, la suite la au prochain épisode. Voilà, on aura une suite bientôt. To be continued. ouais, on aurait dû faire Mauvais Quai à deux. Hein. Oh. On n'aime pas trop chanter ce genre de truc, moi, mais après, vous venez. Fait partie de la voilà, vie. Voilà, il fait partie de la vie, donc il passera pas, mon temps à chanter des chansons comme ça. Ouais. On a une petite voix quand même, Sophie. Ah, toujours, non? Oui, il faut mirer un goût de micro au maximum, en fait. Ah, c'est le micro. Non, non. C'est... En fait, c'est le technicien, voix, c'est le tout. Technicien pas bon. Non, mais là, il est presque au maximum, en fait. Et nous deux, et on n'entend pas. Et là, il est bon. Là, il est bon? Là, il est bon. Là, il faut causer un petit peu plus fort. voilà, s'il te plaît. C'est bon, Sophie? Ok. là, elle est trop fort. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça, Midi. Quand les femmes parlent au micro, mes règles aux justes valeurs. Ben non, après, ils ont un petit peu plus fort, du coup, ils grincent. C'est d'accord. Ça. Voilà. Mais bon, après, voilà. Du coup, comme j'ai une belle console. Donc, voilà. Alors. T'es en plus. Alors, donc, ben là, si Nena, une personne, il veut les maxi, le maxi CD, comment il fait là? T'as pu? Ben, elle est avec moi. Ah, elle est avec vous, voilà, carrément. Oui. Comme, ah, d'accord. Bon, ben, elle est bon. Elle est bon. Et tous les fans de... Il n'y a plus grand-chose, hein, donc voilà. Donc. Moi aussi, il y en a de mon côté. Ah bon? Oui. Il m'a eu deux gros caisses. Ah oui, ça, c'était à une période que Madonna pour les vendre, non? Il est dommage, il faut mal. On va mettre sous le lit. Non, elle est là. Non, mais Maggie est vendre. Ah oui. Ah ben, mais attends, ben, il faudra vous payer à moi maintenant. Parce que... Non, mais Maggie est vendre, mais on a fait le jeu avec, nous l'a donné. Donc, on l'a vendre ou l'a donné? Les deux. On voit comment il est. Il pense que il fera jamais cette erreur, Sophie. Mais non, ça donne pas au talbot à Dani parce qu'il y donne de monde.
Bah oui, c'est ce que l'on a dit. On a dit, bon, voilà, deux caisses, donne deux boons. Mais ce qu'on m'a fait, en fait. Cette émission, si m'avait compte... besoin de débarrasser moi de mes CD, bah, franchement, bah, oui, on la trouvé, on la trouve le bon gars, quoi. Comme il dirait, le gars, il est bien sympa aussi, hein. Attends. Vous trouvez un aile. Ça devient n'importe quoi cette émission le dimanche soir. Allez, c'est pour ça, mais il ne veut pas nier du tout dans l'émission. Hein. Ah, on l'a fait au moins la migraine. Migraine. Bah oui, attends. Il fait quand même combien de fois on a fait une interview en fait, Sophie. Il fait très longtemps quand même. Trois. Puis moi, mais vite à au moins. Effacé de sa mémoire. Ah bon. Ah ouais, quand même, c'est sympa. Mais les mauvais cœurs maintenant. Hein. Bon, allez, sérieusement. Déjà, lui, il passe vite, hein, 21h05 minutes sur Créole FM. Donc, alors, on a fait un petit bout de chemin, donc après la sortie de l'album, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Exactement. Donc, notamment, donc, la faisant le titre My Love Pourquoi? Oui, My Love Pourquoi. La note de haut, mais quoi, aller avant? Oui. Le titre note de haut, My Love Pourquoi. Ça, c'était pour savoir si vous avez la mémoire bonne pour la sortie. Et mamie, mais attention. Attention, le café n'est bien chapé. C'est la chanson qui dit, hein. Bon. Au moins, on l'a écouté. Non, déjà bah, m'y écoute, m'y diffuse sur Créole FM le dimanche dernier, on l'a diffusé en plus. Bah, c'est gentil. On l'a vu. Continuez. Bah, on l'a vu. Alors, donc, console la diamant. La sortie avant. Alors, on note de où. Note de où, oui. My Love Pourquoi. Où veut copier. Mon rêve. Mauvais cœur et bientôt l'ambiance les bons. D'accord. Mais l'ambiance les bons fait une sortie. La chanson est sortie, mais le clip pour bientôt. D'accord. Ben, nous va revoir ça dans un instant. Donc du coup, bah connais, moi j'aime bien le love, tu vois. Et nous va pas le My Love Pourquoi. D'accord. Hein? Bon, My Love Pourquoi. C'est quoi l'histoire? Alors, My Love Pourquoi, c'est une histoire réelle. Pas mon histoire, hein. Donc c'est une histoire d'une personne qu'elle a perdu un être cher, sa moitié quoi, qui est décédée d'une maladie. Et suite à ça, cette personne, elle a eu du mal à se remettre dans la vie en général, à accepter la perte de cette personne. Alors en fait, malgré cette chanson, pour dire aux femmes ou aux hommes qui perdent l'être aimé, qu'il faut pas se décourager, qu'il faut tenir le coup et voilà, essayer de surmonter l'épreuve. Et voilà, en fait, m'a mis ça en clip, les très triste, c'est sûr que c'est triste, mais le clip est très clair, on veut dire très, il raconte bien l'histoire, le scénario est bien fait. D'accord. Et en parlant de scénario, clip et tout ça, et c'est qui l'a fait la réalisation du clip? Alors, la réalisation du clip, c'est Fano Design. Un petit coucou à lui. Ben, jusqu'à présent, de toute façon, c'est lui qui fait mes clips. Au tout début, j'ai travaillé avec Henrik. Oui. Mais pour ce clip My Love Pourquoi, ben, m'a commencé avec Fano. D'accord. Donc, Fano, que nous connaît très bien et que nous salue quand même au passage. Hein, oui, bien sûr. Effectivement. Voilà. En ce moment, donc, sur le Facebook Live de l'émission, tu peux voir les clips de Sophie Ligdamis en diffusion. Voilà. Ouais, nous guémettes comme il a nous. Ah, oui, il a progressé, nous. Il a évolué, le gars, il a évolué. Ah ouais, le gars est bien sapé tout. Oui. Il a un affaire qui comme il a. Là, nous voyons attendre assis sous pied de bois. Ah bon. Ouais, ça, c'était en période de Noël. C'est quel clip? Sous un pied de bois, mais assise. Oui. Ah, quel clip, ça, et en plus, il avait déco Noël. Il doit être... Mauvais cœur, ça. Mauvais cœur, en plus. Mauvais cœur. Bon, voilà. Alors le clip My Love Pourquoi, il passe sur Télécréole? Oui, mes clips de toute façon, ils passent tout de suite Télécréole. Hein. Merci à toute l'équipe de Télécréole, Thierry Arail, un petit bonsoir à lui. Et en général, mes clips, ils passent les diffuser sur les télés. Donc, ouais. D'accord. Et quel retour justement, parce que nous on parle de tes fans, et quel retour Nena auprès de tes fans concernant le titre My Love Pourquoi? Et c'était quoi la réaction justement de cette chanson? De cette chanson. Alors, ben, en fait, quand le clip est sorti, il m'a eu pas mal de personnes que la retrouvent dans cette chanson, justement, parce que perdre quelqu'un, il est très dur. Il y en a beaucoup, là, demain, on dirait, on a écrit cette chanson pour Zot, tu vois. Donc, moi, j'étais contente du retour, parce que, voilà, c'est ce que m'y voulait.
toucher le cœur du public et que certaines personnes, même si la chanson est triste, ben ils retrouvent autres là-dedans, quoi. D'accord. Donc c'est ça les retours que tu as eu auprès de tes fans. Oui, m'a été très encouragé. Ouais. D'accord. Bah, ce que m'y propose, c'est d'écouter le titre My Love Pourquoi. D'accord, il nous revient juste après. Pas de souci. Donc vous avez pu regarder aussi donc les clips hein, de Sophie Ligdamis en diffusion sur le Facebook Live de l'émission. Allez directement sur YouTube, cliquez un j'aime. Mais vous n'est pas possible. Hein. Non, ben n'a raison. Carrément sur YouTube, je sais pas sur la pub sur Facebook, tout de suite sur YouTube. Tout de suite, tout qui a fini sur Facebook, allez sur YouTube. Bon, ben, elle est bon. Si tu veux voir la bonne qualité. Ah, là, il arrive sur le CD écrasé, là. Et là, elle vient bien. Et elle est content, écrase mon CD. Non, mais voilà. Mais non. Le gars, franchement... Mais non. C'est un désastre de la vie. Mais non, mais ne va pas parler d'instant les personnes qui tournent dans le clip mauvais qui a tiens. Parce que t'as deux, trois arrête visages. Arrête d'occuper, oui. Mais il aime bien occuper, moi. Oui. Mais oui, ouais, il aime occuper. Comme tout le monde, d'ailleurs. Non, dire, non, mais il aime pas occuper ou alors. Non, mais il ne occupe pas de monde. Ah oui. Moi, alors... Ma ville est assez chargée comme ça. Donc, il m'occupe de moi avant. Alors, et si on parle... Et si on parle de ton voisin. Ah, mon voisin, mon cher voisin. Alors, prochaine fois, Sophie, faudra faire un son sur les voisins. Ah, tu m'entends bien avec mon bon voisin, moi. Oui, mais... Ah, moi aussi, je m'entends bien avec mes voisins. Sauf que parfois, ils n'entendent plus eux. Mais ils veulent que les voisins entendent des choses pour eux. Donc, voilà, quoi. Ils se laissent un petit peu aller, on va dire. Bah, allez, on marque la pause et revient juste après sur Créole FM. Complètement Barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna... pour te faire plaisir. Allez, de retour sur Créole FM pour ce dimanche soir. Ce dimanche soir. On met un jingle en plus pour ça. Hein. On va peut-être y arriver. Hein, Nana ? On va peut-être y arriver. Bien sûr, toujours. Ah, d'accord. On va pas suivre. Non, si, j'ai suivi, mais je suis en train de parler avec une personne qui nous écoute, justement. Ah. Enfin, un petit coucou à Daniela de Saint-André. Ah, qui c'était ta maman, Daniela ? Non, non, non. J'ai ma maman... qui s'appelle Daniela, qui sûrement nous écoute, mais j'ai aussi Daniela, une future partenaire d'ailleurs, qui nous écoute, et qui peut-être bientôt, alors t'as vu, moi aussi j'arrive même plus à parler, et qui va bientôt peut-être vous donner aussi à vous auditeurs des cadeaux, qui sait. Ah. Donc je lui fais un gros coucou à Daniela. Ah, Daniela, ça t'y fait des mille chèques là. Mais non, elle fait des choses... qui intéresse plus les femmes. Ah d'accord. Bah oui, parce que là que sont suffis auditeurs quand même. Hein. Quoi? On l'a dit auditeur. Auditeur et auditrice. Ah, oh voilà. Là. Donc on salue quand même Daniela aussi qui fait aussi des méchèques, des voilà à volonté. Hein, donc on aura l'occasion de goûter. Donc on t'invite Sophie hein, pour la prochaine. Pas de hein soucis. Voilà, donc hein, Daniela, hein, on t'invite. On fait du méchèque. Hein, mais chaque banane. Oui, bah oulala, si nous besoin garde la ligne avec les quoi. Bah oui. Non bah Daniela il connaît bien ça, faire des méchèques et tout là. En plus c'est notre futur partenaire glacier, hein, c'est ça hein. Ce que l'avait dit moi. Mais non. Mais arrête de dire n'importe quoi. Vous allez le découvrir bientôt. Voilà. Arrête bon, rodé. Oui, bah on l'a rodé, on l'a gagné. Et des bananes arrivent, hein. Bon. Oh là 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 là. Bon Sophie. Oui. Ça va toujours bien. Ça va toujours. On passe une bonne soirée ce soir. Très bonne soirée. Ah oui, bon voilà. En tout cas, Miwa Nena Tefan, elle a commenté là sur le Facebook Live. Ah maman papa. Ah bon ah. Ouais. Non, maman là, attends. Bon, le temps qu'elle voilà, y sert. Voilà, si c'est bon. Ah c'est bon hein. Ouais. Le méchac aussi. Merci, c'est bon. Hein, merci les fans, hein, ah. C'est gentil. On salue quand même Natacha de Djali hein. Oui, un petit coucou à Natacha. Voilà, Natacha est en train de regarder la vidéo, m'y pense, hein, parce que m'y voit, il n'y a que des que j'aime. Ah, bah oui, mais bon, ça se peut aussi, elle a dit, bon, ma quelqu'un, j'aime juste pour le plaisir à Dani. C'est croire, hein, comme alors... tu vas. Alors, Djali, c'est pas un tenir, Natacha. Non, Anaël. Anaël. Nana, comme on veut. De toute façon, m'y pense que... mais ça refait appel à moi par mon vrai prénom. Anaël, oui. Alors, bah oui, bon, l'autre fois, elle n'est pas là, mais bon, pas grave. L'autre fois, elle y arrive au mois de juillet. Ouais, mais il ouais. Est parti en vacances, en fait. Ah, oh. Zone, il y a une particularité que... Oui, nous, ça tout en vacances. On tout en jamais Dani. Ah, c'est ça. Alors, bah, justement, parce que dans la vie piège... Parce que justement, elle est en vacances, et quand il revient, c'est moins ça va.
Alors, nous, avant de reprendre l'interview de Sophie, justement, alors Sophie, Nira Gonzao, l'anecdote du mois d'avril, la pièce azote, justement, mais Dimité Sava en Vaillard, justement, c'était où encore En France, on avait un truc... un salon, oui, je ne sais quoi. Oui, voilà, donc c'était le Festival d'Avignon. Mardi Mitié ça va pendant deux mois et demi. Et donc, mais il ne peut pas arrêter mes shows comme ça. C'est en plus c'est en période vacances, donc juillet, juin, juillet, août. Et me revient que fin août en fait. Ouais. Et elle a cru, elle a téléphone Nana. Me dit elle ça, me dit par contre, il faut reprendre l'émission avec tout le bordel et tout le matos, il faut gay brancher, il faut y assurer, etc. Après il dit oui, mais pas de problème, on va assurer tout ça, hein, avec moi avec Johanna. C'est profiter. Après, il dit bon, allez, voilà, elle tombe dans le panneau. Mais Johanna, elle était le contraire. Elle a dit moi comme ça, oui, on peut pas reporter l'émission quand même. Elle avait peur. Mais bon, voilà. Donc, et du coup, elle va partir en voyage. Non, mais c'était faux, c'était le poisson d'avril. C'était un poisson d'avril. Voilà. Donc, essaye de faire un franchement. Oui, ah oui, parce qu'en plus, enregistre à nous, donc heureusement, on n'a pas dit trop de choses, de bêtises ou de trucs comme ça. Non, mais... diffuse ça sur en direct, là, toute la population, il connaît où Samy s'en voyage, quand Samy ça va. Bah, de toute façon, parce que bien sûr, elle m'a dit dans un appel, pensant que c'était un appel privé, pas un appel public. Ah, il a changé le mode, oui. C'est Dany, hein. Ah, mais c'est Dany, ouais, hein. Là, toute la population sait, là. Ouais, bon, ça va, c'est Chama Julie, ou voilà, quoi. Ouais, là, tout le monde te connaît, quoi. Bah oui, il faut bien. Voilà, et puis, Johanna, nous salue quand même Johanna, que l'entonnage, d'une série ici à La Réunion. Donc voilà, elle va en parler plus très très prochainement, hein. Parce qu'avec Johanna... elle sera de retour. Oui, elle sera de retour d'ici mois de juillet. Amour intense. Voilà, amour intense. Ça me manque tout ça. Oh. Petit pied. Oui, il est vrai. vous l'avez. En fait, on cause comme Sophie, quoi. Sophie, comment des fois, bah oui, fait pitié. Oui, Sophie. Mais dis-moi ça, moi. Oui, dis-moi ça des fois. Oui, mais il est maltraité, en fait. En fait, on dirait rien qu'à coup, hein, lui dit ça. Parce que si elle ne rappelle pas, c'est qu'elle ne dit pas souvent, c'est rien qu'à coup, c'est rien quand même. Il est menté, allez. Comme il est menteux. Non, mais. Il y en a un chat. Alors, passons. Passons. Alors. Bon, on va discuter un petit peu sur le titre Nous de Haut. Nous de Haut, c'est une chanson d'amour. Oui, chanson d'amour, c'est Galov. Je connais un moment, il aime bien chanter l'amour. Là, depuis le début. Depuis le début. Bientôt, c'est vrai que ma sort dans cette couleur-là, mais bon, moi, c'est plus chanter l'amour, oui. Il aime chanter l'amour. Donc les amours bientôt ce soit dans cette couleur là, c'est-à-dire soit dans le rouge. On appelle ça être dans le rouge là. Bah évidemment la couleur, l'amour, l'amour c'est le rouge, non? Ou pas? Ah d'accord. Ou le rose. C'est plus le rose. Comme on veut. Sortir. Non, en fait, on va rester toujours dans l'amour. Mais il prévoit de sortir, enfin m'a sorti un Sega plus rythmé, bah, pour voir en fin de compte comment le public y a derrière ça. Voilà, juste pour voir. Un petit changement. Après s'il ne marche pas, bah, tant pis, hein, il revient à l'amour. Ouais, les briques. Voilà. Mais il faut de temps en temps de l'amour, hein. Parce que sans ça. Faut sortir de sa zone de confort parfois. Bah, mais bon, après, voilà, faut pas faire de la haine. Bon, quoi que vous la fait un peu de la haine, hein. Mauvais cœur. M'a fait de la haine, non. Non, elle n'a pas fait de la haine, mais... Elle amonte justement certains visages, voilà. Certaines personnes, voilà. C'est la différence. M'a dit ce qu'il ne faut pas faire. Ah, on comprend mieux maintenant. Elle est réaliste, c'est voilà. Tout. Voilà. C'est pas de sa faute. Hein. Et moi, elle est sûre, ça, c'est ce genre de chanson, ben, il y a plein de gens, ils retrouvent Azote là-dedans. Hein. Parce que la Réunion, les créoles, ils aiment ça, Azote, connais. La jalousie, le maloki, la dilafée, le commérage. Mamie aime. Ouais. Même Comérase, même la Dilafée. Ça, c'est passe-temps réunionnais, ça, on fait pas rien que réunionnais, mais c'est... beaucoup. Hein. Voilà, ça, c'est un passe-temps quotidien. Qui fait pas un commérage de nos jours? Alors, qui fait pas commérage? Moi, qui fait, moi? Moi en tout cas, si t'es un métier... Oui. Ah. Alors, dis-moi, une seule personne qui fait pas commérage ici à la Réunion, moi. Franchement. Moi. Ah, oui. Moi, ne fais pas, moi, ne fais pas commérage. Oui. Parce moi, elle est dans le commérage, mais il ne me fait pas commérage. Ben voilà, elle est dans le commérage. Il ne fait pas. Voilà. Si, voilà. On m'a pas le temps cube de mou, il faut déjà me le temps cube à moi. Alors, si, on va occuper la page de Nana. Tu verras, hein, moi, tu peux occuper ma page. Hein. Non, mais... Il n'y a que des choses gentilles sur ma page.
Non, mais de toute façon, s'il n'a pas comme Hera, s'il n'a pas la dilafée, nous les parionner, franchement. Ben oui, ouais, il fait partie, il fait partie, ouais, voilà, fait partie du quotidien. Il devrait être inscrit à l'UNESCO. Ouais. Ah oui, patrimoine de l'UNESCO, hein, il devrait. Ah, hein. Bah oui, il devrait, il devrait. Alors, du coup, donc, nous deux, c'est une histoire d'amour. C'est pas ton histoire, c'est ça? C'est de l'histoire ou c'est pas ton histoire? Non. Excusez-moi, nous deux, c'est une histoire d'amour. Non, non, mais pas du tout compris. C'est le titre, nous deux. Alors, non, mais dans la manière de ça, dit Sophie, ben nous deux, c'est une histoire d'amour. Alors, il a dit ça, Lila. Dans la manière, il a dit la phrase, oui. Nous deux, c'est une histoire d'amour. Mais on n'a pas compris qu'elle était en train de dire nous deux, le titre, c'est une histoire voilà. d'amour. Alors, attends, mais refais bien, mais refais bien. La PAQ, t'as au direct. Ah oui, ça m'a... J'ai eu un coup de délestricité. Ah non, nous délivre rien. Alors... Sophie. Oui. Alors, nous deux. C'est quoi ça? Confession intime. Vous connaissez quand Samia Sani là ou là? Ben, dans 3 ans. Dans 3 ans. On refait ça 3 autres sites. Ah oui, parce que là, comme il y a la case, hein, ça prend un doliprane. Alors, nous deux. Oui. Moi tout seul. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Oui, très intense. Qui se déroule sur une plage. Non, mais allez, arrête. Oui, c'est une histoire d'amour, mais pas mon histoire. Enfin, si, mais je veux dire, oh, c'est Mikra, pas forcément Mikra Pu et mes chansons basées sur ma vie, en fait. D'accord. Mi écrit pour tout le monde, quoi. Ça peut être chanson d'amour, de rupture, de... Non, ben... Alors, si moi, par exemple, demain, parce que vous connaissez cette émission Incroyable Talent. Hein. Ouais, on connaît cette émission. Alors moi si demain, voilà, allez pas dedans. Hein. Inscris pas où. Attends, c'est incroyable talent. Casse mon rêve là. Alors moi m'y vais un coach. Donc ma fille trouve mon coach, c'est Sophie Damis. D'accord. Ah oui. Là, faut qu'il me passe devant le jury, là, faut qu'il impressionne le jury, là, ouais. Avec les chansons d'amour et tout, là. Mm-hmm. Donc là, bientôt, ça met ta main sur, justement, une chanson d'amour. Mm-hmm. Donc, voilà, il faut coach à main, les bons, quoi. Hein? Coach à où? Ouais, coacher au moins Miguel la finale, quoi. Ah. Mm. Ça chante des chansons d'amour, il faut un coach à où? Bah oui, à où même. Ben, non. Ça devient... Là, il faut en sorte à où, la tête. Ah bah t'es... Bah non, pourquoi on soit à moi... Vous connaissez, il m'avait fait l'hypnose. Il m'avait fait la magie. Enfin, tout ça, tu vois. Il m'avait fait l'hypnose, oui. Aussi. Ouais, il m'avait fait tout. Mais les polyvalents... hypnose, hypnotise les gens ou bien... Oui, hypnotiser les gens. Alors regarde, moi, il hypnotise en haut, là. T'as vu? Il regarde même pas où. Regarde mes yeux verts, tu vas voir. Ça devient... Non, mais c'est vrai, ça devient n'importe quoi, ah cette oui, émission. Ah oui, l'émission, oui. Non, non, t'es en train de dire où, hein? Non, mais où chez où, maintenant, animateur Barjo, avec une animatrice Barjo aussi. Le troisième, elle est pas là, hein. Animatrice, non, elle... elle est calme, hein. Ah oui, pour une fois, elle est calme. Elle est très calme. Hein. Yami demande comment elle y fait, pour supporter ou, hein. Ah, m'a demandé. Me dis pas où, mon enfant. Oh là 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 là. M'a demandé comment on fait, les vrais, hein, comment on fait. Et Dani, oui. Vas-y, on me vient là pour cause de quoi, ou là. Même ça rentrer, ouais. Attends. Ah oui, parce que là, là... A finari, comme t'as reçu un talent, la même... Non, mais allez, la même point de talent. Mais dis-moi, elle n'ose pas dire on a même point de talent. C'est comme ça. Il n'y a pas du moins. Il n'y a pas du moins. La coupe de micro. Alors, tu disais non, quoi? Non, on a point de talent. Hein, on disait quoi? Ouais. Alors, voilà, on a un talent, mais on a point de talent. Oui, voilà, regarde mes talons. Bon, plus sérieusement, donc le titre My Love Pourquoi, donc Nena le clip également. Oui. Toujours réalisé par Fano Design. Oui, Fano. Voilà, et la sortie quand le clip d'ailleurs. Allez sur YouTube, garde un coup là. Là, alors, pourquoi m'y vient parle de quoi m'y parle ce soir? Ah, regarde sur YouTube, attends. Non, de mais regarder. Là, c'est une question. My Love Pourquoi, c'est le premier clip que m'a fait avec Fano, justement. Donc, m'y pourra pas dire où exactement la date que les sorties. Hein. D'accord. Bon. Allez, donc après My Love Pourquoi, on est dans le titre Nous deux et
on veut copier. On veut copier. Oui. Il y en a de monde qui veut copier sur. Ah non, pas du tout. Je pense pas. Alors, pourquoi ce titre? Comme ça, m'avait envie de chanter un truc voilà, qui sorte de l'amour. Donc, m'a dit, mais pas forcément que parce que Michante veut copier, que ma vise forcément quelqu'un. Après, ça, tu retrouves Azote dedans. Tant mieux pour lui. Ouais. Ben, oui, comment pense... il dit, on veut copier, essaye toujours. Ouais. Essaye toujours, on aura de l'eau pour couler. Non, mais il faut des fois, il faut. Oui, il est vrai, oui, il est vrai. Des fois, on connaît, Annalie veut copier, mais elle essaie toujours. Qui, c'est où? Ma fille, il copie pas. Ah ça, non, c'est bon. C'est où qui copie seulement quand il dit coucou les girls. Oui, coucou les girls. Voilà. Ah, t'as vu? Et My Love, pourquoi c'est novembre 2017 pour ah, on l'a vu, on l'a vu. Ah, merci. Ah, allez, quand même. Voilà. En 2017. Ouais, en voilà, 2017. Même, hein. Novembre 2017. Oui. Et nous deux où alors? Tiens. C'est gentil, hein, ouais, il prend la faire. Peine. Alors, attends, ouais, bah, je vais regarder. Moi, je regarde, c'est moi, gentil. Je... Oui, voilà. Elle y regarde. Le temps que Anna, elle y regarde l'équipe, parce que d'habitude, c'était Yohana qui regarde. Hein. C'est quoi, vraiment nous deux où. Nous deux où. Il ne fait pas attention aux dates. Donc là, s'il me pose des questions sur les dates, tu ne fais pas attention. Ben, Anna, elle est là, elle souffre. Ben, février 2017. D'accord. En 2017 aussi, alors. Ouais. On dirait l'étonné. Ouais. Non, mais il travaille bien, c'est pour ça. Même elle est étonnée. Dans une année, ma sortie de clip, après la troisième, non? Après la troisième, alors, essaye, regarde. Peut-être. Mauvais cœur, tiens. Non, mauvais cœur, c'était mon rêve en décembre 2018. Et mon rêve aussi, m'y pense. Hein. Donc voilà, ouais, dans un an, il fait deux clips. C'est donc, ça. Et en juillet 2018, mon rêve. D'accord. Ouais. Bah, dis donc. Ouais. Donc mauvais cœur. Et on veut copier, c'est en... ah ben on a eu trois clips en 2018. Mai 2018 on veut copier. En plus, on a eu trois clips. Ah bon, ma maman elle est étonnée. Voilà. T'es bon aussi, mais étonnée quand même. Hein. Alors ben ce que m'y propose c'est de réécouter ou découvrir hein, le titre, enfin les titres de nos deux hauts et mauvais cœur. Et puis ben ne va pas du nouveau titre. Hein. D'accord, dans un instant, il n'y a pas de souci, oui. Parce qu'il est déjà 21h32, je suis en créer les femmes. Passe vite, n'empêche, hein, yes, toute bonne connerie, là. Ouais. Non, mais c'est pas moi qui fais les conneries, voyons. Ah ben non, C'est Nana qui m'inspire. Oui. Alors, vous connaissez, des fois, comme elle n'est pas là, des fois... Mais, ah, elle m'a déjà fait l'interview avec tout seul ou pareil, hein. Ben voilà, rien à voir avec elle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, Sophie, un peu comme Sophie. Ben... Mais elle est gentille, ce que midi. Oui. Comme midi, ça pas dit. Moi, il m'aime pas mentir. Voilà. Oui, donc, on dit les choses combinées. Hein. C'est quand même. Ben, elle est bon. Bon, allez, le temps que. Voilà, parce que le temps, il boit un petit peu d'eau quand même. Hein. Voilà, à force de casser un petit peu le cuit comme ça. Les vrais que bien on a soif. Il faut. Oui, il faut. Et puis voilà. On s'écoute de haut et puis. On s'écoute de deux. Ben, écoute à moi. Les beaux. Écoute. M'écoute à moi tout seul. Ah là là, voilà. Là, 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 après, nous allons interviewer Sophia. Hein? Sur la chanson. Les bons. Les bons. Bon, allez, voilà. Sophia. Tu peux prendre le micro. Elle en dirait qu'elle fait pas du moment aux enfants. On n'est pas de couilles. Alors, Sophia. Allez, Sophia, prends le micro. Voilà. Ça va, Sophia? Oui. Ah. Oh, elle est toute mignonne, en plus elle est trop belle. Et en plus, il met de la pose toute. Hein. Ah. Sophia, t'as quel âge? 6 ans. Ah, 6 ans. Et tu connais les chansons de maman par cœur? Oui. Alors, chante un petit coup là. J'ai pas envie. Et bam! Oula gagné. Ah. Ça, c'est le râteau de l'année, ça. J'ai pas envie. Ah ben franchement bravo Sophia. Ah non mais il faut garder dans le bêtisier hein. Ça il faut garder dans le bêtisier ça. Ah Sophia d'accord ok. Ben c'est beau alors. Allez on marque la pause et on revient juste. Tu as pas envie de chanter? Je la fais rire d'animer en plus. Allez à tout de suite. À la réunion. Créole. Le temps comme il y aura sous le micro. D'accord. Voilà, là elle est bon. Là elle est mieux, hein. Bon. Alors, du coup. Donc mauvais cœur. Après tout ça, après le mauvais cœur. Alors Nana, la renie. Ça va?
Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Mais il va l'absente à un petit moment. Hey, mais vous connaissez, vous occupez pas moi vraiment, elle est grave là, ça moi. Ah bah écoute, non, parce que du coup, nous on a sur la scène de l'archipel. Parce que Sophie, bah oui, vous voulez. La scène est dans la piscine, ouais, c'est la ça scène de la piscine, et comme ouais, l'a dit, l'ambiance, les bons, tout ça. Elle a dit, comme le bon Catherine est bien sapé, tout ça, tu vois. Et... Okay. Voilà, Catherine ouais est en beauté. Ah, ouais. Les bien sapés, en beauté les aussi. Caf, les bien sapés, les Catherine, les en beauté. Ouais. Ah, c'est tous les pareil. C'est... Comment on dit, c'est tous les Caf. Oh là là. Mais quoi, oh là là, fiou fiou. Bah pas oui, faute, hein. Bah oui, hein, confession intime. Confession intime. Bon, allez, nouveau titre de Sophie Ligue d'Amis, c'est L'ambiance les bons. L'ambiance les bons. Alors, donc, là, on a fait un Sega d'ambiance. Hein. Oui. Donc, il faut changer. Il faut changer un petit peu. Hein. L'a senti quand, d'ailleurs, ce titre? Ben, il y a quoi? Une ou deux semaines, je pense. Une ou deux semaines. Il est très récent. D'accord. Ouais. Ah ouais. Et donc, là, décide de changer de style comme ça, histoire d'ambiancer les rayonnés. Oui, et puis comme moi aussi, même dans Sewan, donc... Comme il lâche moi sur podium, ben, m'a envie de danser aussi, mais c'est galop, pas pareil. Ouais. Mm-hmm. C'est même une Sega d'ambiance. Ah, m'a vu le petit Sega d'ambiance, il donne bien pour aller en tout cas. En tout cas, nous, dans Tropicana Live Tour, on est en rotation hein, sur Créole FM, en tout cas dans d'ailleurs, l'émission. D'ailleurs, merci beaucoup, fait plaisir. Oui. Et, ouais. D'accord. Continue au contraire. Bon, ben, j'espère que l'orientation sur la radio. Hein, ben, j'espère aussi. En joignée. Ah, parce que c'est un Sega, il donne bien poilé ça. Ben apparemment on est un peu, il voit pas. Comment ça n'est un peu, il voit pas, pas hein. Comment ça n'est un peu, il voit pas. Je sais pas. Bon, alors, ben justement, tiens, est-ce que, parce que l'anniversaire de Créole FM, il arrive là, le 15 juin, si je ne me trompe pas. Ah bon? Oui, l'anniversaire de Créole FM, c'est le 15 juin. Oui, le samedi 15 juin. D'accord. Ben, mais j'espère retrouver là-bas. Ah, on a un truc de prévu. Bah oui, discothèque Les Roches Noires. Non, même pas au courant du tout. Bah bon? Non. Arrête. Pour une fois, non. Ben si, Créole FM officiel sur la page Facebook. Regarde Wawa. Non, ma pas. Regarde Tawa. On en a écoute Tawa, mais regarde Tawa. Ben ma regarde Mawa alors. Voilà. Ben oui, ben voilà. Ben, moi, je suis là-bas, mais après, connais, je suis gagné. Enfin, moi, je suis gagné, non. Mais ah, c'est moi, je me chante pas, bien. Bah. Bon, voilà. Avec ta jolie chemise bleue de l'autre fois. Non, ça, c'était plein d'hiver, c'est Thierry, ça. Ouais, mais elle avait une chemise en soie. Ah, bon? Explique pas où. T'es sapé comme... sapé comme jamais, moi. Alors, t'es bleu. Arrête mon cas. Bah oui, il est bien. Il t'es change bleu comme ce micro, quoi. Bah oui, plus bleu. Ah, quoi. Plus bleu. Plus bleu. Ah oui. Bleu, disais, je trompe. Je trompe. Ah, t'as été en mode je trompe là. Bon, si tu veux, vas-y, lâche-toi, si tu veux. Voilà. Ouais. Bon, elle m'a pas vu. Elle m'y rit, mais elle m'a pas vu. Mais imagine où on se trompe. Mais bon. Non, faut pas imaginer où on se trompe. Bah justement, tiens, pour le 15, pour l'anniversaire de la radio, mais il va venir en bleu, tu vois. Oui, c'est ma couleur préférée. Ah. Ouais. Ben ouais. Ouais. Où sera là ou Nana? Non, je pense pas. Bah, il faut... Bah, je sais pas. Si Thierry m'invite, je viens. Alors, bah, justement, si Thierry là l'écoute, bah voilà, combien de personnes y invitent? Un peu plusieurs. Hein, en VIP, hein. En VIP. Hier, on a les loges, je me vais être moi. Pour faire les photos. Hein. Vous savez ça, Roche-Noir? Oui, Roche-Noir. Oui, mais c'est pas sur Allah, Sophie. Je m'y connais pas. Ah, franchement, bon. Bah, elle est bon, comme alors. Dit Anaël, si invite à moi, il vient. Si ouais, invite à moi, il reste à casa. Si dit à moi, il vient, il vient. Bon, voilà. Si Thierry là l'écoute, bon, voilà, on connaît que ça vous fait. Hein? Voilà, même pas imposer. Hein. Ouais, oui, même pas. Zot, il vient pas imposer. Bon. Non, non. Bah, elle est bon, alors. Bah, nous, vous regardez si invite à Zot. C'est bon. Au pire, on vient. Elle est bon. Moi, il vient, moi. Bah oui, en tant qu'animateur. Il passe dessous de l'invitation. Bah oui, mais il vient pour les, bah oui, pour l'équipe de Créer les Femmes, d'ailleurs. Donc, on salue quand même. D'ailleurs, moi aussi, il est un peu invité, alors. Bah oui, vous voulez un peu, pas beaucoup, mais un peu pas quand beaucoup. Même. Nous représente Tropical Night. Bon, ouais. Bah, Sophie, c'est une occasion de chanter le petit Sega d'ambiance. On sait jamais, hein. Je sais jamais. Si Thierry invite à haut, ni chanter, bien etc. Sûr. Non, on m'a pas plaisanté, pas besoin d'invitation. Moi, si moi, on a un petit créneau, mais viens, t'as là, Thierry va dire quoi, il vous invite à lire. Non, plaisante, non, mais voilà. Non, mais ça, c'est juste pour le geste. Ouais. C'est comme si vous appaniez à casa un monde comme bah ça. Oui. À casa du monde, mais ça va pas quand même pas invité. Ah mais là, non. Si, voilà, si moi, l'envie, me vient. On a raison, on a raison, on a raison. Bon, voilà. Nous, écoutons le petit Sega d'ambiance qui donne envie, voilà.
d'écouter. Mm-hmm. Et puis, ben, si j'ai un fauteuil, des gaz, fauteuil, si j'allais sur la route, c'est celui qui met à terre. Voilà. Mais bon, allez, nous écoute ça, il nous revient juste après. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir. Ah, en tout cas, l'ambiance est bien bon hein, sur Créole FM. Ça va, Sophie? Ça va, ça va. Bon, Sophia, il va leur prendre le micro, ça va? Oui. Alors, l'ambiance est bon? Oui. T'es Sophia, elle est timide quand même. Sophia, l'ambiance est bon? Oui. Sophia, maman chante bien? Hein? Oui. Ah, quand même. Hein? Vous la chuchotez. Ah bon. Bah oui, l'ambiance est bon en tout cas. Et le clip, du coup? Bah le clip, normalement, semaine prochaine, mais dirais plutôt. Hein. Ah, on l'a fini imaginer. Enfin, sur le scénario, on l'a fini imaginer. Oui, le clip est bouclé. Mais voilà, mais attendre le montage avec Fano et puis voilà. D'accord. Et bon, bah nous va occuper un peu le clip, hein. Que ce soit dit ou nana. Non, occupé comment ça? Je m'occupe pas moi maintenant. Mais par contre, écoutez, regardez, partagez. Voilà. Oui, mais occupé, pouvoir, où ça l'a fait le tournage, c'est quoi le scénario? Ah, où ça l'a fait? Le feu de case? Là, il faut mettre ça dire tout de suite là. Ah bah oui, Malaise, ça va être après la première revue. On revient alors. Après, on revient. Dans combien de semaines prochaines? Malaise à eau, découvrir ou même sous reconnaît les endroits que les tournées. D'accord. Bon, ben après, on revient. Ok, elle est bon. Dans combien de temps là, on revient? Très longtemps, mais c'est-à-dire jamais, quoi. Ouais. M'y connaît, où il aime l'émission. Non, c'est vrai, l'émission, elle est bien, l'émission. M'y écoute, de toute façon, tout le temps. Alors, c'est le temps de venir, ma après. Sophia, elle allume le micro, mais c'est le moment où il ne casse pas dedans. Sophia, va t'asseoir. Ah là là. Bon, alors, du coup, bah oui, on écoute tout le temps, hein. Il faut dire que les fidèles auditrices de la radio, hein. Oui. Ah oui, ah, très fidèle. Très fidèle. Oui, comme il dort pas. Comme il dort pas. Ouais, bah oui. Hein. Oui, au moins. Oui, au moins elle est franche. Bah oui, quand il dort pas. Bah oui. Mais les rats ou dort, hein. C'est vrai. Bah oui, parce que vous êtes tout le temps en prestation. Tout le week-end, voilà. Bah oui. Voilà, m'y écoute d'ailleurs quand on n'est pas en prestation. Voilà. Sinon, m'y écoute. Bon, m'y écoute. On salue quand même. Bêtise, m'aller à jour. Hein. On salue quand même le synthèse qu'on a eu l'occasion de passer là-bas aussi également. Hein. Oui. Donc, une prochaine fois, on passe là-bas? Pour l'instant, non. Pas prévu. Et pas prévu. Et du coup, là, nous va parler un petit peu de côté scène. Justement, on a des dates à communiquer. On peut retrouver aussi la scène également. Alors pour l'instant, on est plus dans des festins privés, mariage, anniversaire, communion surtout. Mmh. Après, on a des dates que m'y attend en confirmation pour le 8 juin, ouais. Le mois de juillet aussi pour les fêtes de juillet. On a des dîners dansants aussi. Après les grandes scènes, m'y attend de confirmer, donc je ne préfère pas donner de date parce que voilà. D'accord. Sinon, c'est plus privé. Privé. Pour l'instant. Alors, donc, au niveau des privés, pour les prestats privés, donc, tu peux contacter sur Facebook également. Oui. Alors, sur ma page, Sophie Ligdamis, chanteuse. Ou sinon, mon numéro 06 92 73 29 82. Voilà, pour une famille d'hommes, pas numéro, hein, c'est elle qui donne. T'as vu? Bah oui, elle est habituée. Attends. Mais attends, voilà. Mikono, ça demande à moi, donc peut-être plus haut le temps. Bah oui, on a raison. Donc, repeat of the numéro, please. Repeat. Alors. Quel anglais? Bah oui. 06 92 73 29 82. Voilà, donc si ça tu veux que Sophie Ligdamis mette un bon ambiance, c'est autres. Sinon, ça t'hésite pas sur Facebook. Voilà, elle est joignable. Hein. Bon, bah oui. Tous les jours. Vous voulez sur Messenger. 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 En tout cas, Sophie, dans un instant, l'émission est finie. Bah, nous va terminer. Dommage. Bah oui, dommage. Ouais, toute nous bonne va... chose, une bonne fin. Nous va terminer. Toute bonne chose, une bonne fin.
une bonne petite fin. Non, mais elle est marrante en plus, hein, franchement. C'est ça, c'est ça. Tu vois pas elle comme ça, mais finalement, il découvre une autre personne. Oui, non, mais c'est, ouais, c'est moi la bonne comme ça, tu vois. C'est si, si, regarde, elle a la télé, là. On dirait pas. Elle est sainte. Ouais. Faut se méfier de l'eau qui dort. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais après, il comprend aussi. Hein. Il a dit qu'il faut... Sonne en face de vous. Ah, voilà. Il a dit faut pas chercher la c'est petite ça. Bête. Ouais. Alors, bah, Sophie, avant de se quitter vraiment pour l'émission, etc., mm-hmm. Est-ce qu'on a des petits messages à passer en direct à la radio? Ben oui, déjà, merci à toute l'équipe de la radio, Créole FM, au boss, Thierry Arraï, ben, aux autres deux, Anaël et vous-même. De rien, c'est un plaisir. Ben, il fait plaisir aussi. Et puis, un petit message particulier ben, à toutes les personnes qui suivent à moi sur les réseaux. Ben, merci pour tous les encouragements, votre soutien. Et puis, voilà, c'est grâce à votre que m'y tiens, quoi. Et ben, m'a essayé de faire, continuer de faire de mon mieux pour donner à votre ben, satisfaction, quoi. Ah. Ça t'y aime, il aime, ça t'y aime pas, ben, tant pis. Non, ben, elle est bon, alors. Voilà. Nous, bah, un grand merci à tout le monde. À nous yam. Et puis, m'y tiens à remercier ben, toutes les personnes que l'a appelé tout à l'heure, parce que franchement... Il fait plaisir. Il fait plaisir, oui. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Ben, elle est bon. Ben, écoute, nous, pour clôturer cette émission, ben, le petit Sega d'ambiance en acapella, on va se quitter là-dessus. Anel, moi, m'y donne au rendez-vous, donc, semaine prochaine. Voilà. Pour la rubrique Tropical Girl. Yes. Mais bon, bah bonne soirée tout le monde. Bah nous laissons avec Sophie. Merci Dani. Bonne en acapella. Mais bon, petit morceau alors. Petit morceau. Allez. Pour finir le direct. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye. Zordi, moi la débarqué avec un petit son bien rythmé. Catherine, toutes les en beauté. Le caf aussi, il est bien sapé. À soir, mais ça fait danser. Un public bien décidé. L'ambiance, ça nous aime ça. Nous, ça a défoulé à soir là. Zordi, moi la débarqué avec un petit son bien rythmé. Catherine, toutes les en beauté. Le caf aussi, il est bien sapé. À soir, mais ça fait danser. Un public bien décidé. L'ambiance, ça nous aime ça. Nous, ça a défoulé à soir là. Si l'ambiance l'est bon, si l'ambiance l'est bon, si l'ambiance l'est bon, n'aura la lit jusqu'à grand matin. Si l'ambiance l'est bon, mais si l'ambiance l'est bon, si l'ambiance l'est bon, nous rebisse à lit pour au gâton. Voilà. Bonsoir tout le monde et merci. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir. Ah, merci.